Shalom, 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 shalom. Soyez tous bénis dans le précieux, le divin nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la bénédiction vous environne, que le Saint-Esprit vous illumine, que le Seigneur soit avec vous là où vous êtes. Soyez localisés par l'Esprit de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que je suis là ce soir pour partager un moment avec vous. Comme j'ai l'habitude de le dire, nul n'est saint sur cette terre. Nul n'est saint sur cette terre. Nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes privés de la gloire de Dieu et nous sommes obligés de prier chaque jour pour que le Seigneur ait pitié de nous. Comme j'ai l'habitude de dire, on peut prétendre appartenir à telle religion, à telle église, à telle communauté, mais ne pas forcément connaître Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lorsque nous sommes rassemblés de la sorte, il ne s'agit pas du catholique, du protestant, du baptiste, du chrétien, du musulman. Il s'agit des personnes qui ont envie d'avoir un moment avec Dieu, d'entendre une parole qui peut leur faire du bien dans leur vie. Nous allons dans nos églises respectives, nous allons dans nos mosquées respectives. Les réseaux sociaux sont aussi un moyen pour nous retrouver, pour pouvoir parler ensemble des choses de Dieu. Beaucoup de personnes utilisent les réseaux sociaux pour juste divaguer, pour rigoler, ou bien pour propager des scènes malsaines. Mais nous, enfants de Dieu croyants, nous devons quand même utiliser les réseaux sociaux pour chercher la présence de Dieu. Soyez tous bénis. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vous avoue que je suis un peu fatigué, que c'est avec un effort que je fais ce direct, parce que je ne peux pas vous dire ce que je fais hors direct, mes moments de prière. Vous savez, c'est pas facile d'avoir le sujet de prière de plusieurs personnes. Et puis d'être là en train de prier pour des gens, prendre le fardeau des gens, toute une journée en train de prier pour la vie des gens. Deux fois, tu vas combattre des esprits qui vont aussi vouloir retourner contre toi. Vous voyez, c'est pourquoi Jésus lui-même, quand la femme qui perdait le sang l'a touché, Jésus a dit, une force est sortie de moi. Même les directs que nous faisons comme ça, simplement les directs que nous faisons, quand il y a les moments prophétiques, la prédication, les révélations, c'est des moments qui retirent. C'est-à-dire qu'il y a l'onction qui agit, et ça agit sur le corps de l'homme que Dieu utilise, et ça affaiblit. Alors, quand tu passes toute une journée en train de recevoir le sujet de prière des gens, quand tu es en train de penser à la vie de quelqu'un, actuellement je suis en train de prier pour une femme juive que j'aimerais voir vraiment libérée, délivrée. Son sujet de prière me fatigue beaucoup parce qu'elle a trop d'ennemis. Non seulement cela, j'ai eu des réceptions et je crois qu'aujourd'hui j'ai dérangé un esprit des eaux. Pendant une de mes réceptions, j'ai dérangé un esprit des eaux et un esprit qui animait la vie d'une personne depuis son enfance, qui a été dévoilée, et cet esprit n'a pas apprécié. Donc, il y a eu quand même des effets de combat. Et quand c'est comme ça, ça fatigue le corps. Mais quand je donne rendez-vous pour un direct,
je fais un effort. Sinon, normalement, je devais être en train de prier, de me ressourcer. Le combat spirituel n'est jamais facile. C'est pourquoi je vous remercie aussi pour vos soutiens, pour vos prières, pour vos encouragements. Je profite pour vous dire, continuez à pardonner mes erreurs. Continuez à pardonner mes défauts. J'ai compris une chose dans ce monde, c'est que ce n'est pas l'âge qui fait quelqu'un. Et puis, nul ne peut dire je connais tout, je sais tout. Un enfant peut t'enseigner quelque chose demain, alors que tu as 100 ans, tu as 90 ans, mais pas un enfant, tu vas apprendre quelque chose. Alors, c'est pourquoi je suis toujours ouvert aux critiques qui viennent de la bonne manière, pas des critiques pour insulter. Je suis très ouvert aux encouragements. Et les gens qui m'appellent deux fois pour me suggérer des choses, pour m'encourager, pour me donner deux fois des conseils sur certaines choses, j'aimerais vraiment vous remercier parce que c'est de l'amour pur. Il y a un frère qui est sur ce direct là, ce n'est pas un chrétien. C'est quelqu'un qui croit à la tradition, il croit à ses ancêtres. Mais il est sur ce direct. Et ce frère là, depuis qu'il a commencé à m'écouter, malgré qu'il n'est pas chrétien, il a créé des groupes pour partager mes directs. Il croit en ma prédication, il croit en ce que je fais, il m'encourage. Et il m'a appelé un jour pour me dire, je ne suis pas chrétien, tu ne m'as jamais rien demandé. Mais moi, chaque fin de mois, je t'envoie une offrande, je t'envoie une dîme. Parce que tu es vraiment quelqu'un qui est né pour ce que tu es en train de faire. Et ce frère-là, il est sur ce direct. Je ne vais pas le dévoiler, il est sur ce direct. Il n'est pas chrétien. Il y a une maman qui est musulmane. Elle est de nationalité burkinabé. Alors, comme on n'a pas les mêmes heures que les États-Unis, c'est après peut-être qu'elle va voir le direct. Elle est sur mes directs. Et cette maman-là, elle a des fils haut placés. Elle a des fils haut placés au Burkina. Elle est musulmane. Elle croit à mon ministère. Et ça fait des années qu'elle me suit. Elle n'arrête pas de me bénir. À chaque fois qu'elle peut m'envoyer une offrande, elle m'envoie. Elle croit à mon ministère. Et ce n'est pas la seule musulmane pour qui je prie. Je ne leur dis pas, quitte la mosquée, fais ceci. Actuellement, je suis en train de prier pour une musulmane qui avait un problème de santé. Et Dieu merci, elle avait le pied depuis 2 ans, le pied, on va dire, pourri. Je ne sais pas si c'est une musulmane, mais elle a un nom musulman, en tout cas. Mais j'ai déjà prié pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de musulmans. Alors ce soir, je me sens un peu fatigué, mais je sais que l'Esprit de Dieu va me renouveler. Je crois aussi que c'est parce que j'ai donné déjà le thème de mon direct. Parce que le thème de mon direct, c'est contre la sorcellerie. Mon direct de ce soir, c'est contre le sorcier. C'est contre le sorcier de ta famille. C'est contre le sorcier qui est loin, qui voit ton étoile. C'est contre le sorcier qui est là, qui t'a vu naître. Et puis, il sait que tu vas réussir dans ta vie. Nous, les Africains, nous connaissons, nous avons beaucoup de pratiques. Nous, les Africains, nous utilisons la sorcellerie pour faire quoi? Nous utilisons la sorcellerie pour, comment on appelle, faire plutôt du mal. On ne peut pas dire que les Blancs ne sont pas sorciers. Le mot sorcier ou sorcière est dans le dictionnaire. Sorcier ou sorcière, là. Ça est ici, les Blancs ont brûlé des gens ici en disant qu'ils étaient sorciers ou sorcières. Ils savent ce que c'est que la sorcellerie. Ici en France, vous allez voir qu'il y a des loges, il y a des sectes, il y a des gens. Tu peux habiter dans un quartier, il y a une grosse villa à côté de toi. Tu ne sais même pas, les gens se retrouvent à la cave chaque vendredi, chaque samedi. Ils vont faire leur pratique, leur sorcellerie. Pardon. Il y a des enfants qui disparaissent ici aussi en France. On vient de retrouver un corps, hein? On vient de retrouver un corps sans tête ici en France. Je ne sais pas c'est dans quelle partie de la France. Il y a des pratiques, il y a des gens qui disparaissent. On ne sait même pas où ils sont partis parce qu'on les a pris pour envoyer dans une loge pour aller faire un sacrifice humain. Donc, la sorcellerie existe ici. La sorcellerie existe en France. On ne peut pas dire que les Blancs ne connaissent pas. Là. Ils savent. C'est pourquoi eux-mêmes, le mot sorcier est là. Ce n'est pas nous, les Noirs, qui les avons donné le mot sorcier ou sorcellerie. C'est eux qui ont créé ça. Ils savent ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, ils ont ramené en Afrique
pour nous dire que nos parents, toutes les adorations que nos parents faisaient, c'était la sorcellerie. Si on a un grand-père qui priait sur l'eau, il voyait des miracles, ils nous ont fait croire que c'était la sorcellerie. Si on a une grand-mère qui connaissait les feuilles, qui partait utiliser des feuilles pour guérir les personnes, les femmes stériles, les gens, ils nous ont fait croire que là, c'est la sorcellerie. Eux, ils vont dans leur cimetière pour prier leurs morts. Ils sont tout le temps, promenez-vous à côté des cimetières, vous qui êtes en France. Vous allez voir les voitures sont garées, les blancs sont sur leur cimetière avec bouquet de fleurs, balai pour balai le tombeau, un bouquet de fleurs, ils vont déposer des choses. Déjà, deux fois même, ils ont des sujets de prière. Deux fois, ils écrivent sur papier ce qu'ils veulent. Ils vont déposer ça sur le tombeau. Ils parlent à eux le mort comme s'il était vivant. Mais ils sont catholiques. Ils sont protestants. Et ils font ça. Mais quand ils sont allés chez nous, ils ont vu nos parents avec toutes les sciences que nos parents avaient, les connaissances que nos parents avaient. Ils savaient que c'était trop fort. Et ils ont fait croire à nos parents que ah, ce que vous êtes en train de faire là, c'est la sorcellerie, c'est pas bon. Vous prenez seulement la Bible et puis laissez-nous. Nous, on va gérer le reste. Donc, ils ont pris même la sorcellerie de nos parents. Ils ont pris ça. C'est-à-dire que les sciences de nos parents, ils ont pris ça pour rajouter à pour eux. Vous voyez? Et puis, ils sont là. Ils font des choses contre nous. Nous sommes là. Nous sommes faibles. Qui est plus sorcier que le blanc? Quelqu'un qui rentre sous l'eau. Quelqu'un qui rentre sous l'eau, qui va parler avec les génies de l'eau pour qu'ils lui donnent la permission de créer un barrage. En Côte d'Ivoire, il y a un barrage qui a été créé, je ne vais pas vous dire où, mais on ne pouvait pas créer le barrage. Les gens ont tout fait, toujours des accidents. C'est Blanc qui est quitté en Europe, il est venu rentrer sous l'eau, il est resté pendant je ne sais pas combien de temps. Quand il est ressorti, ils ont pu faire le barrage. Qu'est-ce qu'il allait faire là-bas? Il a dit quoi aux génies qui étaient sur l'eau là, qui tuaient les gens, tout ça là? Donc, c'est des sorciers. Mais la sorcellerie, là, ils utilisent ça comment? Ils utilisent ça pour évoluer. Ils utilisent ça pour créer ça. Ils utilisent ça pour créer le bateau. Ils utilisent ça pour créer l'avion. Ils utilisent ça pour créer... On va dire non, c'est la connaissance, c'est l'intelligence. Non, il n'y a pas que ça. Ils utilisent ça pour faire plein de choses. Vous regardez des films, vous voyez qu'il y a une moto qui s'envole. Demain, vous voyez qu'ils ont créé une moto qui s'envole. Maintenant, les motos, les voitures s'envolent dans certains films. Bientôt, les voitures vont s'envoler. Vous voyez? Donc, la sorcellerie existe. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que la sorcellerie n'existe pas. Le blanc reconnaît. L'américain reconnaît. Le noir reconnaît. Le monde entier reconnaît que la sorcellerie existe. Donc, quand on parle de sorcellerie, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existe. C'est quoi la sorcellerie? Il y a deux sortes de sorcellerie. Il y a la sorcellerie où, c'est-à-dire, on utilise sa pensée d'une manière négative pour faire du mal à quelqu'un. Ça, c'est la sorcellerie. Quelqu'un peut être à l'église et puis il est sorcier. Quelqu'un peut être de ta famille, il est sorcier. Parce qu'il voit que tu es plus beau que lui, tu as plus de connaissances que lui. Il est là, il pense que du mal de toi. Ça produit l'effet de la sorcellerie en lui et il se demande comment il va faire pour le tuer, comment il va faire pour la tuer. Ça, c'est la sorcellerie. Et il y a la sorcellerie avec le pouvoir mystique où les gens développent en faisant des alliances avec des esprits. Ils développent en faisant des alliances avec des entités, des esprits pour avoir des pouvoirs, pour savoir comment s'envoler, comment se transformer en ça. Comment faire ceci? Comment rentrer là? C'est d'autres sciences, mais là, c'est des gens qui vont s'initier. Ils vont s'initier pour avoir le pouvoir des esprits. Quand quelqu'un s'envole, on dit s'envoler sur un balai. Ce n'est pas la personne qui est en train de s'envoler. C'est un esprit qui lui donne la possibilité de faire cela. Quand tu vois quelqu'un qui met du feu dans sa bouche et puis il entend, le feu ne le brûle pas. Ce n'est pas ça, lui. C'est un esprit qui joue ce rôle. Donc, n'importe qui peut se lever aujourd'hui, aller s'initier quelque part pour avoir des pouvoirs démoniaques, mais ce sont des esprits qui travaillent dans cette personne. Et ces esprits-là vont avoir des critères, ces esprits-là vont avoir des totems, ces esprits-là vont avoir des choses qu'ils aiment. C'est comme des gens qui s'élèvent aujourd'hui. Il y a des gens qui ont dit, moi je vais être riche parce qu'il ne veut pas souffrir. Donc il a décidé
d'aller quelque part pour qu'on l'aide à être riche. Et il y a des gens qui sont partis dans certains endroits, on lui a dit, non, tu vas être riche, tu vas être très riche. Mais chaque année, il y a quelqu'un qui meurt dans ta famille. Et celui qui doit mourir dans ta famille, c'est les personnes les plus intelligentes qui doivent mourir dans ta famille. Est-ce que tu es d'accord? Il dit oui. Et vous allez voir qu'il y a une famille qui est là. Il y a quelqu'un qui est très riche dans la famille. Mais chaque année, on dit, il y a un jeune qui vient d'avoir le bac, qui meurt. Il y a une jeune fille qui vient d'avoir une percée là. C'est-à-dire ceux qui sont intelligents, là, ils meurent parce que c'est l'alliance que l'autre est parti faire pour avoir sa richesse. Il y en a qui vont pour pouvoir avoir des pouvoirs pour être riche. Quand ils vont, on lui dit, oh, tu vas avoir ça, mais on te donne 18 ans pour vivre. Après les 18 ans, tu n'as plus le choix, tu meurs. Donc vous allez voir des gens qui sont riches, très riches. On parle d'eux, on saute. Et puis, arrivé à un certain âge, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas dépasser 40 ans, ils ne peuvent pas dépasser, parce qu'ils ont eu leur richesse. Il y a des jeunes, vous voyez, ils jettent l'argent partout, ils font le travail, ils jettent l'argent, mais ils ne vont pas vivre longtemps la plupart. Parce qu'ils sont allés faire une alliance pour avoir de l'argent. On leur a dit, ah, ton argent là, tu as eu ça, mais dans tel nombre d'années, dans 7 ans, dans temps, c'est fini, tu ne peux plus, c'est-à-dire que ton âme là, on va prendre ça, c'est ton âme que tu es venu vendre. Il y a d'autres qui acceptent, ils vendent leur âme parce qu'ils veulent la gloire. Et puis, on dit, tu le vois, l'argent, les grosses voitures, ils jettent l'argent. Tu ne sais même pas d'où vient l'argent. C'est chaque soir, un esprit vient lui donner l'argent. Il y a d'autres, ils ont un serpent. Le serpent crache l'argent pour le donner. Ils vont avec. Il y a d'autres, même, c'est une femme qui vient, elle couche avec eux la nuit. Le lendemain, ils ont l'argent. Mais leur âme est déjà vendue. Leur âme est déjà vendue. Ils savent que c'est fini pour eux. Et ce qui est dommage, il y a des pasteurs dedans. Il y a des imams dedans. Il y a des croyants, il y a des chrétiens. Parce qu'ils ne veulent pas souffrir, ils ont peur de la pauvreté. Ils ont peur de l'échec. C'est-à-dire, ils se disent, moi, je ne veux pas souffrir. Souffrir, là, l'argent fait tout. Donc, je préfère avoir mon argent et puis le reste. Donc, il y a des gens qui ont vendu leur âme. Et puis, il y a ceux qu'on prend et qu'on initie à la sorcellerie aussi. Tu peux avoir un enfant qui vient de naître aujourd'hui. Ta grand-mère est sorcière. Ta grand-mère a vu que l'enfant, là, il a des dons, il a des talents, il a tout ce qu'il faut. Elle a déjà vu ça en esprit. Et puis ta grand-mère, ta tante ou quoi, vu, ils vont venir en voulant donner même du lait à l'enfant, en voulant lui donner à manger. Ou bien ils vont lui donner un petit morceau de je ne sais pas quoi pour dire, tiens mon fils, mange. Ou elle va le prendre pour mettre sur son pied. Elle va dire, je lui fais juste un bain. Elle va faire, elle profite de ça, puis elle initie l'enfant. Donc ton enfant qui est là, tu dis, c'est ton bébé. Mon bébé, mon enfant qui est devant toi là, que tu crois que c'est ton enfant là, qui est en train de grandir, tu dis, oh, tu as un projet pour son avenir, l'enfant est déjà devenu sorcier. Et c'est l'enfant là, ils vont prendre. C'est-à-dire que c'est lui, t'es dans ta maison, il y a un sorcier, tu ne sais même pas. Ta fille est sorcière, ton fils est sorcier, tu n'es pas au courant, parce qu'on l'a déjà initié. Tu travailles, tu ne sais pas où va ton argent. Dès qu'on dit, tu as une bonne nouvelle, que tu annonces à la maison là, le même soir que tu as annoncé, le lendemain, il y a un problème. Tu ne sais pas. Ta femme peut être sorcière sans que tu saches qu'elle est sorcière. Parce que si elle ne te dit pas qu'elle est sorcière, tu ne peux pas savoir. Elle va t'aimer. Elle va prendre soin de toi. Elle va faire tout ce qu'elle veut. Mais quand elle rentre dans son domaine de sorcellerie, là, la nuit, pendant que toi, tu es en train de dormir, son corps est couché là, mais son esprit est parti pour travailler. Elle va à ses réunions, elle fait ses trucs. Et puis toi, il y a trop de choses, frères et sœurs. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger dans ce monde. Il n'y a que Dieu qui peut nous protéger. Ton professeur à l'université, ton professeur au collège, au lycée, peut être un sorcier sans que tu saches. La femme chez qui tu es parti acheter l'aubergine au marché peut être une sorcière. Le boucher chez qui tu es parti acheter la viande peut être un sorcier. Le sorcier, tu peux le voir partout, même à l'église. Un pasteur peut être sorcier. La femme du pasteur peut être sorcier. Tout dernièrement, il y a un pasteur qui est mort. Tout demain, on m'a parlé d'un pasteur. Dès qu'on m'a commencé à raconter l'histoire, j'ai dit, mais j'ai commencé à lui révéler tout. J'ai dit, non, mais sa femme, c'est une sorcière. Et je ne connaissais pas la femme. J'ai commencé à décrire la femme. J'ai dit, voilà, c'est comme ça. Cette femme-là, sa mission, ça dit qu'elle est la reine. La mission, c'est de faire ceci. Ça coûte. J'ai posé même des questions. Est-ce que l'église a avancé? On dit, non. Est-ce que ceci, cela, non? Est-ce que ceci, cela, non? J'ai dit, mais la femme-là, c'est une sorcière.
Le pasteur, sa femme était une sorcière, mais il ne savait pas que sa femme était une sorcière. Ou il savait, mais il ne savait pas comment il allait faire pour la quitter. Je suis allé en Italie en 2010. Je suis allé prêcher dans une église. Celui qui me traduisait, c'était un docteur de la parole de Dieu. Sa femme était handicapée. Tu vois, la femme, elle fait pitié. Toi-même, tu as envie de prier pour elle. Oh, la femme, c'était la reine des sorcières. En Italie. Ouais. Italie, là, il y a sorcier là-bas. Ceux qui vivent en Italie, là, les Africains qui vivent en Italie peuvent venir témoigner. Il y a sorcier là-bas. Italie, là, on dirait que tous les sorciers de l'Afrique, là, en venant en Italie, ils ont pris leurs bagages de sorcellerie, là. C'est-à-dire, au lieu de prendre des affaires pour voyager, c'est leurs bagages de sorcellerie qu'ils ont mis dans le sac pour venir. Il y a sorcier en Italie. Hein. Les hommes de Dieu, là, si vous partez faire programme en Italie, vous voulez aller prêcher en Italie, soyez sûr que vous êtes fort. Là, je vous dis la vérité. Il y a des hommes de Dieu qui ont prêché en Italie. Quand ils ont fini de prêcher net, à leur retour, leur église a été cassée pour de bon. Il y a des hommes de Dieu qui ont prêché en Italie. Quand ils sont retournés là, leur couple a été brisé ou un de leurs enfants est mort. Il y a des hommes de Dieu qui ont prêché en Italie. Quand ils ont prêché en venant, ils ont eu un accident en route. Italie, surtout, je ne sais pas si c'est Cremona ou les coins là, les coins vers Cremona ou les coins comme ça là. Il y a Makasakaraya. Hein? Milan là c'est un peu bon, mais quand tu viens vers les Cremona, j'ai oublié les noms, tout ça là, sorciers qui y a là-bas, j'ai dit sorciers, les vrais vrais sorciers, comme sorciers de l'Afrique, ils sont posés là-bas, waouh, ya ya ya. Je ne sais pas si c'est parce qu'à un certain moment l'Italie a permis que les Africains puissent faire rentrer leurs parents facilement, d'autres ont fait venir leurs mamans, leurs grand-mères, leurs grands-pères, ils sont venus, non, sorcellerie en Italie. J'ai, dans toute l'Europe, je me suis promené. Mais sorcellerie en Italie. Sorcellerie en Italie. Non, ce n'est pas du jeu. Il y en a là-bas. Je peux témoigner en tant que serviteur de Dieu. Sorcellerie en Italie. Il y en a là-bas. Ouais. Il y en a, hein. Moi-même, tout dernièrement, quand je partais en Italie, oh, ben, je vais vous expliquer un truc, ce n'est pas possible. Je devais aller en Italie. Deux fois, je vais en Italie. Quand je devais partir tout dernièrement, vous savez ce qui se passe? Soit je rate mon train, soit je rate l'avion. Au retour encore, il y a un là, j'ai vécu un truc, c'est pas possible. La dernière fois que je suis parti, j'ai payé deux billets d'avion. Tellement j'ai lutté, ils ne voulaient pas que j'arrive là-bas. À mon retour là encore, là, j'ai été obligé de laisser le billet d'avion pour prendre un bus pour rentrer en France. Tellement la situation était chaude. Ouais. Mettez le cœur, on va avancer. Mettez le cœur. Donc, quelqu'un ne peut pas m'écouter aujourd'hui et puis me dire non, la sorcellerie n'existe pas. Non. Un pasteur peut même. Tu peux voir ton pasteur. Tu dis lui là, c'est mon pasteur, c'est un homme ouin. Oh, le gars, c'est un sorcier. Je suis sérieux, hein. Je suis en train de prêcher là. Ce n'est pas pour dénigrer quelqu'un. Vous me voyez là. Moi-même là, mon corps est déjà fatigué, mais j'ai envie de m'asseoir, me reposer. Mais c'est pourquoi là, je parle d'une manière posée. Tout le monde, les gens, il y a des gens qui croient que je passe mon temps à crier. Il y a des moments où je ne crie pas. Hein? 2017. Ouais. Vous voyez? Cremona. Et puis, je ne sais pas si je peux ou me rappeler de tous les noms. Il y a sorcier. Les pasteurs souffrent en Italie. Les pasteurs souffrent en Italie. De toute façon, les sorciers les fatiguent en Italie. Les églises se vident. Les problèmes bizarres dans l'église, mais ce qui se passe. Italie, c'est un terrain. Si tu n'as pas l'onction, tu n'as pas la puissance de Dieu. Non, ce n'est pas possible. Il ne faut même pas t'aventurer. Même quand on te fait invitation, il faut dire non, qu'à laisser tomber. On va te faire offrande même. Frère, tu vas arriver. C'est problème, tu es parti chercher pour partir. Italie. My God. Je sais ce qu'il a vécu là-bas. Je sais ce que. Il a dévoilé une sorcière là-bas. Elle était en fauteuil roulant. Elle m'a cherché dans toute Italie. Là. Elle a attendu un jour que j'étais quelque part. Elle est venue. La femme a sauté de son fauteuil comme ça. Puis elle a attrapé mon doigt. Elle voulait casser le doigt. Là. C'est le service d'autre qui a couru pour venir l'attraper.
Ça veut dire que, comme je l'ai révélé, c'était la femme d'un soi-disant docteur de la parole de Dieu. Il traduit, quand il prêche, il traduit. Oh, sa femme, c'est la reine des sorciers. C'est elle qui casse, qui aplatit toutes les églises. Beaucoup de jeunes en Italie, des footballeurs, des jeunes qui ont des talents et tout, ils sont là-bas, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas percer. Parce qu'ils ont pris leur, ils ont pris leur étoile là, comme ça, ils sont assis dessus. Ils ne font que faire des trucs. J'ai vécu des choses hein, en Italie. C'est en Italie que je suis allé assister à un mariage d'un de mes fils, enfin pas mon fils, un jeune que j'aimais beaucoup dans une église, footballeur. Je suis parti, sa femme même, c'était une fille sérieuse, une bonne fille. Mais après, on a entendu des choses. Ce qu'on a entendu là, c'est que la demoiselle d'honneur même, elle faisait le show avec le jeune marié. Oh, quand il a leur visage là, il ne sent pas des gens qui peuvent faire ça. La sorcellerie mélange les églises. La sorcellerie change les gens. La sorcellerie brise la vie des gens. Il y a une servante de Dieu là-bas qui était... Et la femme là, il a oublié son nom. Mais la femme là se battait pour son église. Quand ils ont fatigué, je suis allé aider la femme là même un moment. Ils l'ont fatigué jusqu'à, je ne sais pas si aujourd'hui elle sait Dieu encore. Il y a des pasteurs qui sont venus avec onction en Italie. Aujourd'hui là, ils sont en train de boire bière, vin quelque part, manger pizza. Ils ont laissé affaire d'église. Italie. Oh my God. En France même, c'est dosé un peu. Va en Italie. Si tu vois sorciers, les sorciers que tu as fui en Afrique là, va en Italie, ils vont te montrer qu'ils sont là-bas. Même vous les artistes qui chantent, ils font concert, je vais ceci, je vais cela. Frère, si tu es arrivé dans les petits coins de Cremona, de, j'ai oublié quoi là, en Italie là, tu es arrivé dans les coins comme ça là. Yeah. Frère, amuse-toi, ils vont te... Et puis ton nom là, c'est Gatvite. C'est en Italie, ton nom c'est Gatvite. Ça veut dire que tu n'as rien fait. Mais ils vont créer, les sorciers vont créer un truc comme ça là. Ils vont entendre une nouvelle bizarre sur toi là. Et puis ça s'éparpille en un clin d'œil, en 5 minutes, puis ton nom se gâte comme ça. Bah, Italie. C'est là-bas, j'ai vu que, quand on dit Europe, il y a sorciers là, c'est en Italie. Mais moi, j'aime ça. J'aime aller où il y a les sorciers. Les églises qui ont problème en Italie, invitées. J'aime trop ça. J'aime le face-to-face avec les sorciers. Moi, j'adore ça. Les sorciers là, oh, j'aime trop affronter les sorciers. Parce que ça me fait rigoler quand ils commencent à les faire manger le sable pendant que j'ai prié. Ah. Voilà quelqu'un qui est en Italie qui dit, c'est vrai, Cremona est bizarre. Hein? C'est bizarre. Donc, frères et sœurs, tu peux naître dans une famille. Tu dis que ma famille, là, on est catholique. Toute la famille est catholique. Mais ta grande sœur là, c'est une sorcière. C'est une sorcière. Et toi, tu es né après elle, non? C'est qu'elle a fait avant que toi, tu naisses. Est-ce que toi, tu peux savoir? Tu sais qui elle a rencontré? Tu sais où elle est partie? Et puis toi, tu nais. Ta maman est en train de t'aimer plus qu'elle. Ta maman, elle voit que ta maman lui te donne de l'affection, de l'amour, parce qu'elle a, elle a reçu. Elle, peut-être, ta maman l'a fait au temps de sa galère. C'est pendant que la maman était dans la galère, et que la maman l'a eu, c'est sa première fille, sa deuxième fille ou sa troisième fille, c'était le moment de galère. Mais au moment où toi tu es né, la maman commençait déjà à s'en sortir, donc tu as plus d'amour, elle n'a pas eu berceau, toi tu as berceau, elle n'a pas eu certains vêtements en tant que bébé, toi tu as eu ça, elle a aidé la maman à faire le marché jusqu'à toi tu viens. Bergamo, voilà, toi tu viens, hein? Et puis tu es là comme ça, elle regarde sa vie. Moi, j'ai souffert jusqu'à le petit là. La petite fille là vient de naître. Regarde comme on lui donne. Voilà. Les noms sont sortis. Cremona, Parma, Bologna. Bologna. Reggio, Emilia. Bologna et puis Parma là. Bologna, Parma. Macaro, Brocassa, Catara. Brota, Cassala. Frère, si tu n'as pas esprit de Dieu, si Dieu ne t'a pas protégé, il ne va pas vivre là-bas. Donc, ce qui se passe, tu peux être là, ta propre grande sœur, c'est une sorcière. Elle a assis sur ta tête, ta vie, ton étoile. Tu vas à l'école, tu es intelligent, tu as toutes les connaissances, mais c'est toi on renvoie. C'est toi qui perds, qui... Ça veut dire que tu peux même être premier de ta classe, mais tu sens que ton avenir est menacé. Hein? Tu peux voir ton propre grand frère. Ton grand frère qui est là, ton grand frère. Tu dis, c'est mon grand frère.
Or, la nuit, là, lui, il va quelque part pour manger la chair humaine. Quand il est là, là, il te regarde. Ça veut dire qu'il ne t'a pas encore livré, mais il te guette. Et dis-lui, là, il croit qu'il va avancer. Je vous explique tout ça avant de rentrer dans mon message. Faisons très attention. Si ce n'est pas la protection de Dieu, là, frère, on ne peut pas réussir dans ce monde. Tu peux être dans un travail, dans ton milieu où tu travailles, là. Il y a une là-bas, c'est une sorcière. Il y a un là-bas, c'est un sorcier. Peut-être même ton patron, même, c'est un sorcier. Hein? Tu rentres, quand tu rentres, sois béni, Yobo. Quand tu rentres au travail, mais il voit ton étoile. Regardez, deux fois, vous avez un travail. Quand vous arrivez au travail, vous ne faites pas du mal à quelqu'un. Vous aimez tout le monde. Vous dites bonjour à tout le monde. Vous êtes ouvert. Deux fois, on fait des petits cadeaux. Mais on vous déteste. On te déteste. Tu ne sais pas pourquoi les gens te détestent. Parce que tu as quelque chose qui les dérange. Il y a un sorcier dans le coin. Il y a une sorcière qui est là, qui te voit spirituellement. Qui voit que tu as quelque chose qui les dérange. Beaucoup de personnes ont raté beaucoup de choses dans leur vie. À cause d'un sorcier, d'une sorcière. C'est pourquoi vous devrez être... Moi, depuis un moment, quand je voyage maintenant, je ne dis même pas où je voyageais. Avant, là, je faisais trop de publicité. Ce n'est pas parce que j'ai peur. Mais avant, je faisais trop de publicité. C'est-à-dire qu'avant que je voyage, là, un mois avant, tu sais que Bishop s'en va aux États-Unis. En 2014, j'ai beaucoup voyagé. Beaucoup de personnes savent ça. Je suis allé à Maryland, aux États-Unis. Je suis allé au Texas. J'ai circulé partout dans le monde entier. Avant que je voyage, j'ai déjà fait annonce sur Facebook. Oui, je serai dans tel endroit. Quand je décolle de chez moi, publicité. Je suis dans l'avion, publicité. J'arrive, publicité. Maintenant, là même, là, c'est quand j'ai fini dans le coin et m'en vais là. C'est là qu'il t'envoie les photos pour te dire, j'étais dans tel endroit. Oui. Avant, je me disais, non, je suis homme de Dieu. Et beaucoup de personnes font publicité bêtement. Tu viens de te fiancer, il y a quelqu'un qui dit, je vais te fiancer, il est en Europe, il est aux États-Unis, tu es en Afrique, tu as souffert, tu as prié jusqu'à... Quelqu'un t'a vu, il t'aime. Il dit, je vais transformer ta vie, je veux que tu sois ma femme. Mais tu as déjà annoncé ça à une fille là, tu dis, c'est ta meilleure copine. Tu as fini d'annoncer ça à la fille là. Elle aussi, elle a annoncé ça à une autre personne. Après, le village est au courant, le quartier est au courant, la ville est au courant. Bon, dans tout ça, là, est-ce que tu peux savoir qui est sorcier? Et puis, un jour comme ça, le gars est là, il n'a plus envie de te parler. Il n'a plus envie de te voir. C'est-à-dire que tu ne lui dis plus rien. Tu l'appelles, il ne répond pas. Tu envoies des messages, il ne répond pas. Tu dis, ah, moi, je ne sais pas, toujours quand les gens viennent vers moi, après, ils s'en vont. Peut-être que je suis maudit, je commence à vieillir, je ne sais pas comment je vais faire. Mais est-ce que tu sais que tu as exposé ta vie à des sorciers et des sorcières sans te rendre compte? Est-ce que tu sais ça? Que tu as exposé ta vie à des sorciers et à des sorcières sans te rendre compte? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Donc la vie que tu as, il y a le côté spirituel et il y a le côté physique. C'est-à-dire que où je suis assis là, n'importe quel spirituel, n'importe quel mystique, c'est-à-dire qu'il soit dans la politique, dans la religion, dans le monde, dans l'islam, dans le christianisme, quand il te voit de loin, il y a les deux yeux qui sont là et il y a le troisième œil. Lorsque le troisième œil est développé dans le mysticisme, la personne te voit. Toi, tu crois qu'on ne te voit pas. Tu dis, je souffre. Tu dis, j'ai faim. Tu dis, j'ai soif. Mais il y a quelqu'un qui est là-bas. Quand il te voit, il dit, ouais, la femme là est riche. Hein? La femme là est puissante. Hein? Pourtant, toi-même, tu te cherches. Tu es en train de te chercher. Mais le sorcier va te voir, il va voir ton étoile. Le sorcier, il te juge par rapport à ton étoile. Si tu veux, faut porter short, pantalon déchiré, chaussures déchirées. Il voit ta grandeur dans le spirituel. Et lorsqu'il a vu ta grandeur dans le spirituel, là, oh là là. Vous
Tu peux le déranger. Tu es dans un quartier. Tu es quelqu'un de très gentil. Peut-être même que les enfants à qui tu rends service là, des fois tu les vois, oh mon petit, comment tu vas? Ça va? Oui, tonton, ça va. Tiens, tiens 500 francs, va t'acheter des beignets. Tiens 1000 francs, oh ton papa est là, ta maman va bien. Peut-être que son papa même là, c'est un sorcier. Quand l'enfant a pris l'argent, quand il rentre, qui t'a donné l'argent? C'est le voisin. Donne-moi ça ici. Quand on prend là, on va faire autre chose avec. Deux fois, vous êtes en Europe, aux États-Unis, partout. Oui, c'est ma soeur, c'est ma tante, c'est mon cousin. Je vais aider tout le monde. L'argent que vous envoyez, quand on prend net là, on va quelque part et puis on va faire des incantations. Là où il est là, il n'a qu'à souffrir. Là où elle est là, ça n'a qu'à être comme ça. Je lui donne la fin de cette année. Il faut que son mari, celui qui est contre là, il n'a qu'à la chasser. Si on n'a pas Dieu, on va devenir quoi dans ce monde? Il y a des gens qui viennent sur mes directs, sur les réseaux sociaux ici, deux fois pendant les directs pour me perturber. La plupart, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas mon physique. La plupart d'autres, même quand ils viennent me dire, ils me disent, toi, tu es un féticheur, tu es un sorcier. La fois passée, j'ai lu un commentaire où quelqu'un a écrit, voilà le sorcier de Soro Guillaume. Oh, Soro Guillaume, je ne l'ai jamais vu. Bon, moi, je me suis posé la question, où la personne est partie, dans quoi il a vu ça? Donc, il y a des gens, ils ont essayé de te tuer jusqu'à... Ils ne peuvent pas. Ils vont venir te dire, tu es une sorcière. Toi là, tu es une sorcière. Or, toi-même, tu sais que tu ne pratiques pas la sorcellerie. Mais la personne te regarde et puis te dit, tu es une sorcière. Il faut te poser des questions. Hein. C'est que la personne sait pourquoi elle dit ça. Elle sait ce qu'elle a fait. Et puis, elle n'a pas pu t'avoir. Il y a des gens qui viennent, par exemple, même dans les commentaires là, il y a des gens qui viennent ici, sur les réseaux sociaux, c'est pas parce qu'ils viennent juste parce qu'ils aiment un tel ou un tel ou défendent une cause. C'est juste que toi-même, ton étoile les dérange. Et puis j'ai compris qu'il y a des gens qui viennent deux fois laisser des commentaires, c'est pour t'embrouiller le cerveau. Par exemple, tu es en train de prier ou je suis en train de prêcher là. Il y a un sorcier qui est là, ça le dérange, ça lui fait mal. Il ne veut pas que je continue de révéler et de dévoiler. Donc, il va venir bêtement laisser un commentaire comme s'il va m'insulter. Il se dit, oh, si je dis ça, il va laisser ce qu'il est en train de dire là. Et puis, il va se concentrer sur moi. Comme ça, il ne va pas dévoiler la chose. Et moi, je suis tombé dans ces pièges plusieurs fois où j'étais concentré sur un sujet très important. Et puis, quelqu'un vient, il laisse un commentaire bizarre avec ta tête là, ton nez là. Regarde comment tu es vilain. Toi-même, tu dis que tu es pasteur. Donc, tu es un faux pasteur. Un pasteur sorcier comme ça. Et ceci. Bon, deux fois, quand la chair est là, tu dis, mais c'est qui a écrit ça? Mais toi, là, tu te prends pour qui? Donc, toi, tu. Mais ce que tu entends de dire, il sait là-bas que ce que tu dis est la vérité. Il sait que s'il te laisse dire ce que tu es en train de dire, ce n'est pas bon pour lui. Il sait que si tu continues là, les gens sont en train d'écouter. Ça va libérer des gens. Ça va délivrer des gens. Ça va ouvrir les yeux de certains personnes. Donc, allons l'embrouiller. Donc, quand il vient même là, il laisse son commentaire et que toi, tu es en train de répondre, lui-même, il est là-bas et puis il rigole. Il dit, je l'ai eu. Regarde lui là, je l'ai eu. Il croit qu'il est fort. Voilà, maintenant, il ne parle plus. Il est concentré sur moi. À cause des petits trucs, j'ai dit là, regarde. Vous voyez. Je suis allé au Burkina. J'étais avec un papa qui m'avait reçu. Et on allait s'asseoir quelque part. Il m'a invité dans un endroit pour manger de la viande, de très bonne viande. On était assis tranquillement. Et puis, il y a un monsieur qui est arrivé, un vieux. Il y avait plein de places ailleurs. Il est venu s'asseoir derrière nous. Et puis, il a allumé une cigarette. Le papa, il ne supporte pas la cigarette. Moi, je ne supporte pas. Aucun d'entre nous ne fumait. Donc, j'étais là. J'ai regardé le vieux. Le vieux me regarde. Le vieux a voulu réagir. Il dit, papa, pardon, laisse. C'est un sorcier. Ce que je suis en train de voir là, c'est pas... Il est venu nous provoquer. Parce que quand le sorcier veut t'atteindre et qu'il n'arrive pas à t'avoir, il vient te provoquer.
il vient chercher genre des disputes parlables. Parce qu'il sait que tu es protégé par une énergie, par une force. Donc, quand il vient te provoquer, toi, tu ne sais pas que c'est spirituel ce qu'il fait. Quand tu t'énerves dans la chair, tu ouvres la porte. Quand tu ouvres la porte, il arrive à rentrer. Et puis, ce qu'il veut faire là, il va le faire. Laisse. On allait dans un autre endroit, il y a un qui a fait ça. Lui, c'était pire même. Lui, il y avait plein de places. Il allait prendre une chaise ailleurs. Notre table où on était là, c'est là qu'il est venu s'asseoir comme s'il nous connaissait. Il est venu s'asseoir comme s'il nous connaissait, comme si on l'a invité à la table. Donc, un moment, on n'a rien dit. Moi-même, je suis allé prendre une autre chaise, venir m'asseoir et tout. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on je lui ai dit. Je crois que je l'avais invité ou bien je lui avais dit une parole douce, quelque chose. Et puis, il a vu qu'on n'est pas rentré dans son jeu. Lui-même, il a été gêné. Il a pris sa chaise et il allait s'asseoir quelque part d'autre. Il dit, papa, lui là, c'est un sorcier aussi, tu vois, non? Il cherche client. Tu as vu, depuis là, il marchait, il fait des va-et-vient. Il l'a cherché quand c'est nous, il l'a vu. Vous voyez, tu vas deux fois au marché, tu regardes quelqu'un, tu ne lui as rien dit. Ou tu rentres dans un magasin, la personne te regarde. Regarde sa tête là. Deux fois, tu dis bonjour à une caissière, elle te regarde comme ça, elle ne te répond pas. Pourtant, tu ne la connais pas, tu ne lui as jamais fait du mal. Tu montes dans une voiture, soit un taxi, un transport. Il y a plusieurs personnes. Les autres personnes là causent bien. Mais toi, tu es là, on dirait que tu es l'ennemi de tout le monde dans ce coin. Vous savez, la grâce que Dieu nous a donnée se voit dans le monde spirituel. Tout commence dans le spirituel. Il y a d'abord le spirituel avant le physique. Souvent, nous sommes attachés au physique. Mais quand on dit que quelqu'un est mort là, il est déjà mort spirituellement, avant de venir mourir physiquement. Quand on dit que quelqu'un est malade, c'est que spirituellement, il a attrapé la maladie. Quand on dit que quelqu'un est riche, c'est que spirituellement, il a eu la richesse. Quand on dit que quelqu'un est pauvre, c'est que spirituellement, il a eu la pauvreté. Je prophétise ce soir que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que tout esprit de sorcellerie, tout esprit d'envoûtement, de malédiction sur votre vie soit vaincu au nom de Jésus. Moi, je suis fier de parler des œuvres de la sorcellerie. Depuis que Dieu m'a appelé, je ne sais pas si c'est le caractère qu'il m'a donné, il ne m'envoie que dans les villages. J'ai vu des femmes, j'ai vu une vieille femme dans un village se transformer en buffle. J'étais dans un petit village, dans une campagne. On était en train de faire un petit programme. L'onction était là, les gens tombaient. Même il y a des jeunes du village qui venaient essayer. Ils disent, non, toi tu pousses les gens, tu pousses les gens. Donc ils s'arrêtent comme ça. Quand je fais, il tombe. Quand je fais, il tombe. On les ramassait. Et tout le village sortait. Vous savez, les villages qui n'étaient pas, c'était pas électrifié. C'était des villages. Donc, il n'y avait pas la télé et tout. Donc, c'était devenu comme un spectacle. Et les gens dans le village disaient, oh, il y a quelque chose. Tout le monde. Donc, tout le village est sorti pour venir voir le programme. Un moment, je m'arrête. Et puis, j'ai dit, ici, là, il y a une personne. Tu es venu, tu as transformé ta tête à une tête de buffle. Je te vois. Tu es une vieille femme, je te vois. Je vois où tu es arrêté. Je ne veux pas te renier. Je te demande de quitter ce lieu immédiatement. Quand j'ai dit ça là, je n'ai pas montré où se trouvait la personne. Tout le monde a tourné les yeux vers une vieille femme. Or, c'était la vieille femme que j'avais vue. Quand la vieille femme a fait ça, Elle a vu que tout le monde, elle a commencé à fuir. Les jeunes ont quitté le programme, ils ont commencé à la poursuivre. Je suis allé, j'ai vu des choses extraordinaires. Mais c'est là que j'ai vu que la puissance de Dieu existe. Si un sorcier peut tuer quelqu'un qui a Dieu, moi je serai déjà mort. Makarabrakasa. Si la sorcellerie était au-dessus du pouvoir de Dieu, je ne serais plus dans ce monde. Donc je suis trop bien placé pour parler contre la sorcellerie. Ça, la sorcellerie, pour moi, c'est de la plaisanterie devant la puissance de Dieu. C'est quand les enfants de Dieu ne connaissent pas le pouvoir que Dieu les a donné, qu'un sorcier peut s'amuser avec eux. Toi, tu peux tuer le sorcier de ta famille. Tu peux tuer le sorcier qui a rendu ton père misérable. Tu peux tuer le sorcier qui fait que personne ne réussit dans la famille. Mais quand tu ne sais pas
Quand tu crois que le sorcier au-dessus de toi, il en profite. Le sorcier n'est rien. Il ne fait qu'invoquer des esprits pour accompagner sa méchanceté contre toi. Mais la Bible dit que la lumière est au-dessus des ténèbres. Lisons un passage, s'il vous plaît. Nombre chapitre 22. Nombre chapitre 22. Les enfants d'Israël partirent et ils campaient dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Sippor, fit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoriens. Vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoriens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux enfants de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Sippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor et Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Ce passage-là, vous pouvez le lire. Je ne sais pas si je vais tout lire. Mais voilà un roi qui s'appelle Moab. Il voit que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte et que les enfants d'Israël étaient en train de venir. Et en plus, les enfants d'Israël n'avaient pas affaire à lui. Parce que les Moabites, là, c'était les cousins des Juifs. Les Moabites, là, ce sont les cousins des Juifs. Ils n'avaient pas affaire à eux. Eux, ils voulaient même juste contourner même leur pays et puis aller où Dieu les envoyait. Mais le roi de Moab, en les voyant venir, a été jaloux. Le sorcier, la première chose que le sorcier utilise avant de se décider pour agir contre quelqu'un, c'est la jalousie. D'abord, il est déjà méchant. Méchant, là, c'est sa nature. Un sorcier qui tue, il est obligé d'être méchant. Il peut être gentil physiquement, tu le vois. Oh mon frère, oh ma soeur, ta propre maman peut te donner à manger jusqu'à... Mais si elle est sorcière, tu ne pourras jamais savoir, frère. Je te dis la vérité. Elle ne t'a pas encore tué parce que c'est comme le poulet. Tu n'es pas encore évolué. Tu n'as pas trop de graisse. Elle attend que tu sois bien en forme, que tu sois, tu aies un peu d'argent, tu sois bien engraissé, tu sois une bonne comme. On ne peut pas tuer un bœuf chétif. En fait, tu es un bœuf. Il faut qu'il ait de la chair dedans, tout dans elle te nourrir, te faire tout. Mais elle sait que ton temps va arriver. Et moi, je dis, oh, c'est ta maman, elle t'a mis au monde, elle t'a élevé jusqu'à ce moment, tu crois qu'elle est sorcière. Eh, là, tu n'as rien vu. Il y a des mamans qui sont sorcières qui ont aimé leurs enfants. Elles l'ont protégé. Elles ont donné un doigt, un pied. Pendant les cérémonies, elles ont donné une tête. Tu vois ta maman là, tu ne sais pas pourquoi un jour son pied lui fait mal. Un jour son doigt est coupé. Un jour c'est parce qu'elle livre les parties de son corps pour se protéger. Pour te protéger. Mais là, le jour, elle ne peut plus là. Elle n'a pas le choix, elle te donne. Voilà. Donc, moi, va voir... Comme on appelle, Balak va voir Balaam pour dire à Balaam, avec ses messagers pour ne pas tout lire, il y a un peuple qui est en train de venir vers moi là. Ils sont trop puissants, ils sont trop riches. Je vais les atteindre, je n'arrive pas. Et je ne suis pas sûr de pouvoir les atteindre. Mais je sais que si tu les maudis là, si tu as fini de les maudire, je vais pouvoir les atteindre. Vous voyez? Il y a des portes pour atteindre les gens. La malédiction. La malédiction. Vous allez voir dans certaines familles,
Tu n'as rien fait, tu fais rien, mais tout le temps on est sur toi. Toi là, tu ne vas jamais réussir dans la vie. Tu es maudit comme ça là. Tu as une tante qui est là, là, tous les jours qu'elle te parle. Tu es maudite. Toi, une maudite comme ça là. Tu ne vas jamais réussir. Tu crois que tu vas avoir des enfants. Toi, une maudite comme ça là. Toi, tu penses que ceci. Deux fois, ayez le courage de dire à la personne, je ne suis pas maudit, c'est toi qui es maudit. Même si c'est ta tante, ta grand-mère. Il faut changer la parole. Dis-lui, toi-même, tu es maudit, ce n'est pas moi. Tu es maudite. La malédiction que tu dis là, ça va retourner contre toi. Je n'accepte pas cette malédiction. Je ne peux pas te permettre de proférer la malédiction sur ma vie. La malédiction que tu as annoncée là, je te donne toi-même. La porte de la malédiction que tu vas envoyer dans ma vie, ça ne va pas produire. Retour à l'envoyeur. Donc, ils vont voir Balaam pour maudire Israël. Vous connaissez l'histoire, non? Vous allez voir dans cette histoire qu'ils sont venus, Balaam voulait partir. Vous allez lire après tranquillement. Balaam voulait partir. Il fait un rêve. Dans le premier rêve, Dieu lui révèle, Dieu le laisse. Il dit, il faut... Dieu... C'est pourquoi souvent, il y a des gens qui disent, non... Pourquoi telle prophétie est sortie, ça ne s'accomplit pas? Moi, je rigole. Je dis, les gens ne connaissent pas Dieu. Je vais vous lire au moins cette partie. Parce que Dieu dit, va pas. Après, Dieu lui dit, va-t'en. Dieu lui dit au début, le peuple là, il ne faut pas aller les maudire. Il faut les laisser tranquilles. C'est Dieu qui lui dit ça. Vous allez lire, vous allez voir. Donc, ça veut dire que Dieu l'a défendu de partir. Quand les messagers sont allés voir Balak pour lui dire, ah, voilà ce qu'il nous a dit, oh. Ils sont revenus avec beaucoup d'argent encore, plus de présents. Et puis, il est encore allé questionner Dieu. Mais ce que je n'avais pas compris dans cette histoire, quand j'étais nouveau chrétien, nouveau serviteur de Dieu, et que je lisais ma Bible, j'ai dit, mais comment, on dit, lui là, c'est un féticheur. Balaam là, on dit c'est un féticheur, on va dire c'est un marabout, on va dire c'est un sorcier, c'est un grand sorcier. Pourquoi lui, il peut parler avec Dieu? C'est là que je vais vous étonner. Il y a des grands mystiques et des sorciers qui communiquent avec Dieu. S'il vous plaît, croyez-moi. Dieu les laisse faire parce que ces personnes connaissent la loi spirituelle. La Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Beaucoup de personnes sont à l'église, ils prient en langue, ils prophétisent, ils chantent, ils lisent leur Bible, mais ils ne connaissent pas des règles spirituelles. Or, le sorcier, le mystique et le féticheur, ce n'est pas parce qu'il connaît Dieu plus que toi, ce n'est pas parce qu'il aime Dieu plus que toi, mais il connaît les lois spirituelles. C'est comme il y a des clés qui ouvrent des portes. C'est-à-dire qu'il y a des clés, j'ai pris cette clé pour ouvrir cette porte, Dieu est obligé de me laisser faire ce que je veux faire. Même si ça va m'apporter des conséquences, j'ai une autre clé que je vais ouvrir de l'autre côté pour venir lui demander pardon pour ne pas que ce qu'il veut faire s'accomplisse. Après, j'ai une autre clé. C'est-à-dire qu'ils jouent avec les clés spirituelles qu'ils ont. Les codes spirituels qu'ils ont. Donc, Balaam, il consulte qui? On ne dit pas qu'il consulte Satan. C'est écrit dans la Bible ici. C'est un féticheur, c'est un sorcier. On l'appelle même pour aller maudire le peuple de Dieu. Mais on dit qu'il a consulté Dieu. Dieu l'a répondu. C'est pourquoi souvent il y a des gens qui croient que Dieu les appartient. Il dit restez tranquille. Dieu là. Quand on lit le livre de Job, on dit que les enfants de Dieu étaient en réunion. Satan était là à la réunion. Donc Satan aussi là, c'est le fils de Dieu. Méfiez-vous. Si Satan arrive encore à faire tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il connaît des règles. Il connaît des règles. Il sait que ça là, si je l'ai posé ici, Dieu ne va pas accepter ça. Mais si je suis venu le poser comme ça, Dieu est obligé de bouger pour venir faire ça. Donc, si je vais avoir quelqu'un, il faut que je l'amène dans ça. À partir du moment où la position est comme ça, Dieu ne peut plus passer là parce que Dieu préfère que ça soit comme ça. Il connaît tout. Donc, il joue avec nous. Il joue avec nous. Parce qu'il sait qu'on ne connaît pas certaines règles. On ne connaît pas certaines lois. Il y a certaines choses qu'on ne connaît pas. On est dans l'ignorance. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne cherchent pas à avoir la connaissance.
Le jour, ils vont voir que tu as du sel dans ta main. Ils disent, pourquoi tu as du sel? Mais le sel, là, il y a un sorcier qui a pris ça pour tuer quelqu'un dans sa famille. Le jour, ils vont voir que tu es en train de faire une action, il y a de l'eau dans ta main. Oh, pourquoi ceux-là, ils prennent l'eau même pour eux? Oh, ça, c'est la sorcellerie. Mais l'eau, là, quelqu'un a versé à terre quelque part, il a parlé, ta vie est bloquée. Oh, my God. Moi, depuis, je connais les règles. Et le sacerdoce, on ne peut plus jouer avec moi. On ne peut pas jouer. C'est-à-dire, quelqu'un n'a qu'à venir m'insulter. Tu es sorcier, tu es féticheur. Pourquoi tu as porté bague? Pourquoi tu as fait ça? Ça, je m'en fous. Ça, là même, c'est des trucs. On achète, on peut jeter où on veut. On peut... Ce n'est pas mon problème. Oh, tu prends l'eau. Pourquoi tu utilises ça? C'est la... Je les regarde et puis ils rigolent. Parce que je sais ce que je connais. Un sorcier peut prendre de l'eau. Ça là, ça. Oh my God. Attends, je vais te montrer l'eau. Tu n'as pas encore vu l'eau. Il peut prendre ça. Il a des millions de kilomètres de toi. Il regarde cette eau. Il dit le nom d'un esprit. Il dit le nom d'un autre esprit. Il dit le nom d'un autre esprit. Il vient sur la terre. Il dit à la terre, voilà, je te donne un peu ça. Il parle encore. Il verse encore de l'eau, hein. Je n'ai pas dit autre chose. Quand il finit, il appelle ton nom. Il dit, telle personne-là, je veux le voir ici. Oh, il y a un esprit qui va venir montrer ton image. Quand il a vu l'image, il dit, telle personne que j'ai vu ici-là, voilà ce que je veux. Je veux ce que... Il t'a capté, il a capté ton esprit, c'est fini. Quand il a fini de parler, il dit, quand il verse ça-là, sa vie est finie. Il a fini, il a versé. Tu dis, j'ai des problèmes. Et toi, on m'a te dit, prends de l'eau, on m'a prié dessus. Pour que c'est, oh, ça, c'est la sorcellerie. Moi, dans mon église, on ne fait pas ça. Pourtant, tes problèmes ne finissent pas. Tes problèmes ne finissent pas. Dieu même dit à Moïse, prends un bâton. Vous savez ce que ça veut dire, le bâton? Le bâton, c'est le symbole du serpent. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Le bâton, c'est le symbole du pouvoir. Le bâton, c'est une arme. C'est une protection. Pourquoi j'ai Dieu et puis Dieu me dit, prends le bâton? Qu'est-ce que le bâton a venu faire avec moi? Dieu lui-même ne peut pas me défendre. Il me dit, prends un bâton. Jusqu'à Dieu, pour le prouver que le bâton avait... Dieu transforme le bâton en serpent. Il n'a pas transformé le bâton de Moïse en colombe. Il a transformé ça en serpent. Pour que Moïse... Et puis il dit à Moïse, attrape sa queue. C'est pour dire, tu as le pouvoir sur le mal. Ce qui est dans ta main là, c'est le mal. Qui va combattre tout le mal qui va être contre toi. Et tu as le pouvoir sur le mal. Est-ce que vous savez que Dieu a déjà pris un sorcier pour attaquer un sorcier à cause de la vie d'un enfant de Dieu? Vous n'allez pas me croire. Dieu peut réveiller un sorcier aujourd'hui. Parce que le sorcier l'avait te tué. Dieu n'a pas eu un pasteur pour te protéger. Il n'a pas eu un prophète pour te protéger. Il n'a pas eu un imam pour te protéger. Il va réveiller le sorcier qui est dans son quartier. Et puis il va lui dire, voilà un là, il est en train de faire du mal à quelqu'un. Il faut l'attaquer. Donc l'autre sorcier là, il va attaquer l'autre sorcier pour toi qui es enfant de Dieu. Mais tu ne sais même pas qu'un sorcier a lutté contre un sorcier pour ta vie. Dieu est capable de tout. Il y a des démons qui ont attaqué des démons pour ta vie sous l'ordre de Dieu. Quand on dit mauvais esprit là, esprit, il n'y a pas que les anges qui sont les esprits de Dieu. Ce qu'on appelle mauvais esprit, esprit de l'eau, esprit de la forêt, esprit, parmi eux là, il y a des bons, il y a des innocents et puis il y a des mauvais. Il y a d'autres parmi les mauvais esprits qui sont là même juste pour obéir à un ordre, pour aller défendre quelqu'un. Mais ils ne sont pas des anges, ils sont des mauvais esprits. Il y a d'autres qui sont là que pour tuer. Et puis, il y a d'autres qui sont là pour défendre, pour protéger. Parmi les esprits que vous voyez là, il n'y a pas que les anges. Même quand vous lisez Ézéchiel, vous voyez les anges, on dit qu'il y a des êtres, il a sa tête on dirait ceci, il y a des roues, il a 6 ailes, il a 6 yeux. Et c'est ça, ce n'est pas monstre. Ce n'est pas monstre que tu vois dans Ézéchiel là. Quand on décrit la forme de celui que tu vois, un être, j'ai vu un être, il avait 6 têtes. Allez-y dans Apocalypse. Mais ce n'est pas l'ange avec les ailes.
Et il y a des entités qui sont au service de Dieu. Il y a des entités qui sont au service du diable. Parmi les esprits qu'on appelle mauvais esprits là, dans la forêt là, il y a des bons esprits, il y a des mauvais esprits. De fois, tu passes un mauvais esprit, veut te faire du mal. Il y a un bon esprit qui est là-bas, il vient te protéger. Quand tu te promènes au bord de l'eau là, de fois, il y a un mauvais génie, un mauvais esprit. Lui, il n'aime que faire du mal. Et puis, il y a un qui est là, là. Il n'aime pas qu'on fait du mal. Il vient te protéger. Ce n'est pas un ange. Hein. Mais son rôle, c'est de faire du bien. La seule chose, c'est qu'il est parmi ceux qui ont trompé Dieu. Il est là, il n'est plus parmi les anges. Mais lui, il ne sait faire que du bien. Ça existe. C'est pourquoi les féticheurs et les sorciers et les marabouts et les mystiques, quand tu vas voir quelqu'un, tu dis « je veux un enfant », il arrive à invoquer un esprit qui donne des enfants. Ce n'est pas un ange, c'est un esprit qui donne des enfants, il l'invoque, il dit « viens lui donner l'enfant ». Mais cet esprit qui donne les enfants là, il a peut-être un défaut, c'est un voleur. Donc, tu as eu l'enfant là, mais l'enfant devient voleur. Ou bien il a une maladie. Tu as eu l'enfant, mais l'enfant naît avec une maladie. Est-ce que vous me suivez? Tu t'en vas voir un féticheur, tu dis, protège-moi, je veux avoir de l'argent. Il va invoquer un esprit qui donne l'argent. Mais cet esprit qui donne l'argent, là, quand il finit de te donner l'argent, il t'envoie dans la prostitution parce que ça fait partie de son luxe. C'est-à-dire que toi, tu as eu l'argent, mais ton argent, là, ça va aller que dans la prostitution parce que c'est ce que lui fait. Mais le gars là, il ne va pas te tuer. Il ne peut pas te tuer. Lui, il ne tue pas. Mais lui, il veut que tu aies beaucoup d'argent. Mais ton argent là, on doit gaspiller dans la prostitution. Tu ne vas rien faire avec. C'est ça, certaines personnes n'ont pas compris. Parmi les esprits, dans l'eau, dans la forêt, partout, il y a des mauvais, il y a des bons. Deux fois même, il y a un esprit qui a créé un accident. Tu dois mourir. C'est un autre esprit qui vient le bloquer pour se battre avec lui, pour ne pas que tu meurs. Parce qu'il s'est dit que là, là, dans le territoire où il est là, Dieu lui a donné la permission de protéger. Et lui, il n'aime pas qu'on tue les gens bêtement. Parmi les sorciers, je ne vais pas te dire qu'il y a bons sorciers, hein, mais il y a des sorciers qui combattent les sorciers. Même quand tu montes dans la hiérarchie des sorciers, il y a des sorciers qui se promènent. Quand il y a un mauvais sorcier qui fait que du mal bêtement aux gens, il va l'attaquer, il va renverser ses fétiches, il va brûler ses fétiches. C'est-à-dire que même parmi les sorciers, dans la sorcellerie, là, il y a des tribunaux. Quand les sorciers tuent des gens, il y a d'autres qui tuent des gens bêtement. Ou bien ils prennent la sorcellerie pour faire du commerce ou des choses. Il y a d'autres qui vont l'attraper pour dire pourquoi tu as fait ça. Ils ont le pouvoir de ça. Ils vont le condamner, ils l'amènent dans leur tribunal. Tout ce que Dieu a créé appartient à Dieu. La lumière est au service de Dieu. Les ténèbres sont au service de Dieu. Mais la lumière est au-dessus des ténèbres. Les ténèbres, il y a une fin. On va te donner un médicament aujourd'hui. On va te dire ça là. C'est pour te protéger contre les accidents. Ou bien balle ne rentre pas. Ça va marcher pendant un mois. 2 mois, 3 mois. Mais quand on te donne ça, on te dit, ça là, son totem, avant de toucher une femme là, il faut enlever. Il faut te laver bien d'abord. Mais le jour que frère, tu es coincé, et puis tu es rentré dans un truc, tu n'as pas eu l'occasion, et puis tu as oublié que c'est sur toi, tu as gâté. Ou bien, on te dit, je t'ai donné ça, mais chaque temps, il faut venir faire tel sacrifice. Et le jour que tu as oublié que le sacrifice devrait être fait, ou bien tu as telle chose à faire tel jour, chaque tel jour, il faut faire ça. Si tu as oublié, ça veut dire que tu as détruit le fétiche. Ça veut dire que l'esprit qui accompagne le fétiche qu'on t'a donné là, il a des règles, il a des totems, il a des trucs. Tu violes sa tête. C'est pourquoi mieux vaut se donner à Dieu. Parce que Dieu, quand il te donne là, il ne met pas de règles derrière. Il ne te dit pas, il y a tel totem ici, il y a tel, tout ce qu'il dit là, il dit évite le péché. Et même quand tu as péché, tu dis Seigneur pardonne-moi, il sait comment te pardonner. Il y a des gens qui avaient anti-balles, on les a tués avec balles. Moi j'ai vu quelqu'un qui avait anti-balles, vous savez comment on l'a tué? On l'a tué avec aiguille. Il avait anti-balles, mais il n'avait pas anti-aiguille. C'est avec aiguille on l'a tué. Vous voyez? J'ai anti-physique, j'ai anti-balle. Mais ce sont des esprits. C'est des esprits. Tu peux te canquer jusqu'à fatiguer. Ce sont des esprits. Les esprits là sont là, ils te possèdent. Ils te donnent. Il y a des jeunes filles, vous voyez aujourd'hui là. Elle n'est pas belle.
Mais tous les hommes la veulent. Il n'y a pas quelqu'un qui va la voir. Et puis, même un homme marié, un homme riche, il la voit. Parce qu'il y a un esprit qui l'a possédé. La séduction, il suffit que tu regardes, tu tombes dans le piège, c'est fini. Mais sa vie est comment? Deux fois, elle ne peut pas faire enfant. Ou bien, les gens profitent seulement, ils la laissent. Elle-même, là, deux fois, elle dit, hey, quand est-ce que je vais former un couple? Elle a envie de s'asseoir, elle ne peut pas. Parce qu'il y a un esprit qui l'a possédé pour qu'elle puisse séduire les gens. Parce que cet esprit-là, il mange, peut-être il boit le sperme, il mange le sperme, il aime quand un homme avec une femme, c'est-à-dire que pendant qu'il y a la relation là, il prend le bonheur de l'homme, il prend le bonheur de la femme, c'est avec ça il vit, et il a trouvé une fille pour séduire les gens, pour que lui puisse manger, c'est sa nourriture qui est là. Mais la fille, là, elle ne peut pas avoir enfant. Si elle commence à se mettre dans un couple, à avoir enfant, à être casée, l'esprit ne peut plus manger. Il y a des gens qui sont très riches, mais qui ne peuvent pas se marier. Ils ont des milliards, ils sont beaux, ils ont des grosses voitures et tout, mais ils ne peuvent pas se marier. D'autres mêmes vont coucher avec des folles, des prostituées. D'autres mêmes sont obligés d'être homosexuels. Parce que l'esprit qui les accompagne, qui leur donne ça, dit voilà ce que tu dois faire. Ou toi tu couches qu'avec des albinos, ou bien les folles, ou bien les hommes, ou bien ceci. Chaque esprit a ses règles. Acceptez Dieu dans votre vie. Je suis quelqu'un, il rigole beaucoup, il fait beaucoup de choses, mais mon histoire de Dieu, je ne joue pas avec. J'aime le sacerdoce. Tu peux me dire aujourd'hui, viens, on rentre dans la forêt, il y a tel feu là, je connais, ça fait ça. Je peux bêtement, mais je te suivre pour aller voir ce que tu as me dit. Mais quand je finis de regarder ta feuille là, ce que Dieu va m'enseigner là, toi-même ça va t'étonner. Il n'y a pas un sorcier qui peut me mystifier. Il n'y a pas, ce n'est pas possible. Parce que j'ai compris que la puissance de Dieu est au-dessus de tout. Dieu peut prendre du sel pour t'aider, il peut prendre la cendre pour t'aider, la terre pour t'aider, l'eau pour t'aider, même l'eau que tu prends pour te laver là. Dieu peut utiliser ça pour changer ta destinée. Il n'y a rien que Dieu ne peut utiliser. Macarabra. Et Balaam va commencer, il va encore reposer la question en Dieu. Un sorcier, un féticheur. Quand vous partez voir quelqu'un et puis on dit il consulte. Il y a deux sortes. Soit il consulte, il a une manière de consulter Dieu parce qu'il a les règles pour entendre ce que Dieu va dire. Ou soit c'est des esprits qui lui parlent. Des esprits de divination. Et Balaam dont on parle ici, il était très puissant. C'est comme tu es là et puis on te dit, il y a un grand féticheur quelque part. Lui là, ça ne ment pas. Hein? Les chefs d'État vont le voir, les ministres vont... Lui là, quand il dit quelque chose, il te dit, il faut faire ça. Il se transforme en serpent, il se transforme en aiguille. Il est trop fort. C'est comme ça Balaam était. Mais Balaam là, Dieu est venu le voir pour dire, il ne faut pas aller... maudit ce peuple. Il a dit, je ne bouge pas. Le lendemain, ils sont revenus encore. Il vient poser la question. Comme Dieu voulait le montrer qu'il est Dieu, il dit, il faut partir. En chemin, il y avait un ange qui était arrêté comme ça avec une épée. L'ange était prêt à le tuer. C'est son âne qui l'a sauvé. Son âne est parti se coincer à un rocher. Il a commencé à taper l'âne. Il dit à l'âne, mais pourquoi tu me fais ça? Il parle à l'âne parce qu'il connaît la langue des animaux. Il y a des gens qui connaissent la langue des animaux. Le serpent, ils savent, il parle au serpent, il parle au chien, il parle. Donc, Balaam connaissait tout ça. Donc, Balaam est là, et puis l'âne a commencé à lui parler. L'âne dit, mais est-ce que depuis que je suis avec toi, je t'ai déjà fait ça? Pourquoi tu me tapes bêtement aujourd'hui comme ça? Regarde devant toi, tu vas voir. Il ouvre les yeux, il regarde. Voilà un ange qui était arrêté avec une épée. Donc, l'âne a sauvé sa vie. Donc, il voulait faire demi-tour. Dieu dit, non, tu ne fais pas demi-tour. Il faut continuer. Mais là où tu vas là, au lieu de les maudire, il faut les bénir. Oh, c'est là que ça devient intéressant. Je vais annoncer à une personne ce soir, pour ne pas trop parler pour rien. Lorsque Dieu est avec toi, et qu'on veut te tuer, ça se transforme. C'est ta vie qui augmente. Deux fois, je suis là, et puis il me regarde, je dis, ah, j'ai 51 ans. Et puis, regarde mon passé. Il dit, j'ai vécu ça. J'ai raté l'amour ici. J'ai fait ça. Je connaissais un tel de diamants. Je connaissais un tel. Et puis, j'examine ma vie. Aujourd'hui, je peux m'asseoir pour dire que
Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On va prier, on va faire le direct. Quand il est direct comme ça, là, chauffez-vous sur le cœur. Vous, c'est les buzz, les gnagnagnas là. C'est là. Quand on parle de votre vie pour vous sauver là, ça, vous ne mettez pas. Mettez les cœurs, partagez le direct. Et je m'assois et puis je dis, peut-être que c'est parce qu'on m'a beaucoup fait du mal dans la vie que Dieu a augmenté mes jours. À chaque fois que quelqu'un a voulu me tuer, Dieu a rajouté des années à mon jour. Et peut-être que c'est ça qui t'arrive aussi, frère. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils sont protégés. Il y a des enfants, on avait des enfants, on les a traités les plus maudits de leur famille, les plus détestés. Aujourd'hui, c'est eux qui sont les tontons, les papas, les grands frères de la famille. C'est eux qui font tout pour tout le monde. Parce qu'ils sont nés avec une étoile. J'ai fait un rêve la dernière fois, où dans le rêve, je voyais ma mère qui est décédée. Ma mère qui est décédée avec une personne, je ne vais pas dire comme, on ne sait jamais, je n'ai pas envie que les gens aient accusé quelqu'un, mais une personne qui est censée être quelqu'un de ma famille, une personne que j'apprécie beaucoup, une personne qui est... Quand j'ai vu le rêve, et c'est comme si c'est un message qu'on voulait me donner, parce que je soupçonnais déjà une personne dans la famille d'être sorcière, et deux personnes, et les deux personnes sont déjà décédées. Les deux personnes sont déjà décédées parce que j'ai mené des combats très forts, parce que Dieu m'a montré que ces personnes-là avaient fait des choses sur moi, et continuent à le faire. Mais il y a une personne que je ne soupçonnais pas. Et j'ai vu dans le rêve, et puis je vois dans le rêve que la personne marchait avec ma maman, et la personne envoyait ma maman sur un chemin quelque part, et c'était un coup monté, et comme si la personne a laissé ma maman là-bas, elle s'est enfuie. Et puis, du coup, je n'ai plus vu ma mère. Je me suis levé un peu bizarre. Et l'Esprit de Dieu est en train de me dire, est-ce que tu sais que la plupart des problèmes de famille que tu as, la plupart des problèmes que tu as vécu viennent de ta famille. Tu croyais que telle personne était sorcière, tu as prié, elle est partie, c'était vrai. Tu croyais que l'autre personne était censée prier, mais actuellement là, il y en a encore. Et Dieu m'a montré le visage. Donc, je sais qu'il y a un homme, et je sais encore qu'il y a une femme. Ce qui fait que, dans cette famille-là, les enfants sont intelligents, les jeunes sont intelligents. Moi, je viens de Yamoussoukro. Je suis à Koué. On a des métis libanais dans la famille. On a des gens qui ont fait des grandes études, tout ça dans la famille. Mais tu les vois, les jeunes filles, eux, belles, des trucs comme ça, personne ne réussit. Même pour se marier, c'était un problème. J'ai été le premier dans ma famille à me marier, dans une grande famille qui peut créer un village. Tellement les gens se sont assis sur la bénédiction des gens. Et j'ai compris que j'ai des nièces qui sont mortes bêtement. Elles n'ont même pas eu 30 ans, elles sont mortes. J'ai vu des choses. Et Dieu me dit, fais attention, ne baisse pas les bras, continue de prier. Parce que la sorcellerie existait dans cette famille avant que vous naissiez. La sorcellerie existait. C'est pas parce que tu es dans une famille, on dit que c'est une famille catholique. C'est pas parce que tu es dans une famille, on dit que c'est une famille, tout le monde va à l'église chaque dimanche, que tu vas croire qu'il n'y a pas de sorcier qui est caché dans ta famille. Hey. Donc quand je me suis levé avant, j'ai dit, waouh, j'ai voulu faire un direct hier contre la sorcellerie. Je n'ai pas eu le temps parce que je suis allé prier quelque part. Et aujourd'hui, par rapport à ce songe, je voulais faire ce direct pour te dire, toi qui m'écoutes, aucun sorcier de ta famille, aucun sorcier de près, aucun sorcier de loin ne peut encore agir sur ta vie. Dis-moi, amen. Parce que ce que je suis en train de prêcher là, c'est marqué sur une pierre. Je dis, aujourd'hui je suis assis là. Toi qui m'entends, qui dis amen là. C'est un sorcier dans ta famille. Je dis, tu vas l'enterrer. Dis-moi simplement amen. On va continuer ce direct. Hein. Ce direct-là, on va le continuer. On va continuer ce direct. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est mercredi, non? On va continuer ce direct-là. On va le continuer. On va dire vendredi soir. Je vous demande de me prendre de la terre. Là où vous vivez, vous habitez là, cherchez-moi de la terre. Allez-y au dehors et puis prenez de la terre.
Mettez ça dans un bout de papier, dans quelque chose. Posez ça pour le vendredi soir. Vendredi soir, 21h de Paris. On va faire un direct de retour à l'envoyé. Parce que le direct, là, on ne va pas le continuer. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui, allez-y chercher de la terre. Non, je ne vous avais pas prévenu. Mais vendredi soir, là, ça veut dire que demain, là, prends ta terre, pose. J'ai dit, ils vont enterrer des gens dans ta famille. Funérailles, là, ils vont faire ça. La personne qui est assise sur ton étoile, la personne qui lutte contre ta destinée, la personne qui te maudit à distance, la personne qui lutte contre ta réussite, comment tu peux être belle comme ça? Et puis depuis là, les gens te voient, ils veulent te marier. Et puis toi, tu ne peux pas avoir un mari. Et il y a des femmes plus vilaines que toi qui sont mariées. Comment est-ce que tu as tous les documents qu'il faut? Tu as tous les moyens qu'il faut pour voyager. Il y a des gens même qui n'ont pas ça. Ils vont demander visa. On leur donne visa. Mais ça fait plusieurs fois, toi qui vas demander visa. On te refuse visa. Tu ne peux pas voyager. Alors que tu as ce qu'il faut pour voyager. Comment se fait-il que tu as les moyens pour réussir? Tu as toutes les capacités. Mais tout ce que tu touches là, quand tu touches, ça se gâte. Quand tu commences net, ça se brise. Oh, donnez mon numéro WhatsApp à Nadejkra. Nadejkra dit que c'est son anniversaire aujourd'hui. Il faut que je prie pour elle. Tout à l'heure, avant que le direct ne finisse, tu vas m'appeler. Il y a des gens qui souffrent. Ils ont des capacités. Mais il y a quelqu'un qui est derrière, qui est assis derrière. Et puis le problème, c'est que la sorcellerie, c'est un esprit. Le sorcier, là, te fatigue jusqu'à quand il meurt, là. Il prend esprit, là. Il donne ça en héritage à une autre personne. Il pratique sa sorcellerie. Le sorcier, peut-être que c'était une maman, là, une vieille, là. Elle t'a fatigué jusqu'à... Avant de mourir, elle prend son bagage de sorcellerie, son héritage là. Elle donne encore à une autre. L'autre là aussi, quand elle va mourir, elle prend, elle donne à une autre. Deux fois même, ça va tomber sur une jeune fille. C'est passe-passe. Donc tu es là, tu dis, la sorcière de ma famille ou de mon village là, elle est décédée, oh, je suis sauvé, oh, Dieu merci. On a pris le sorcier dans la famille, tu te trompes. Elle a donné ça à quelqu'un d'autre. Le corps est mort, mais l'esprit n'est pas mort. La sorcellerie, l'esprit de sorcellerie est encore là. Tu dois être comme une muraille de feu contre toute œuvre de sorcellerie. Dis-moi amen. Tu dois être une bombe dans le camp des sorciers. Tu dois être comme du feu. Lorsque le sorcier te voit de loin, qu'il tremble. Lorsque le sorcier te voit de loin, qu'il tremble, qu'il sache que tu es intouchable. C'est-à-dire que tu te promènes, tu dois être comme un char de feu. Lorsque tu es assis quelque part, on doit voir du feu, des braises autour de toi. Lorsque le sorcier veut te toucher avec son doigt, qu'il soit consumé. Écoute-moi très bien, tu peux faire déménager des gens du village, tu peux faire déménager des gens d'un quartier. Il y a des lieux, quand tu es rempli de feu que tu arrives, les gens déménagent. Tu arrives dans un quartier, tu ne sais pas pourquoi, mais il y a le monsieur qui était là avec la grosse villa là. Il n'avait pas prévu de voyager, il ferme le portail, on ne le voit pas pendant tout ton séjour. On dit mais le tonton là est où? On dit on ne sait pas où, il a voyagé. Parce que ta présence l'a fait fuir. Tu arrives au village, il y a des gens qui commencent à voyager le lendemain. Tu ne sais même pas pourquoi. Parce que ta présence va les tuer. Marabroko Sokoro. Interpreko Shintarabra Katara. Aujourd'hui, je vais annoncer par la puissance du nom de Jésus-Christ, par le feu du Saint-Esprit, que tout esprit de sorcellerie,
qui a poursuivi ta vie, qui a localisé ta vie et qui agit contre ta vie, soit foudroyé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. De la manière que Balaam n'a pas pu maudire le peuple d'Israël, de la manière que Balaam, en voulant maudire le peuple d'Israël, a été obligé de bénir le peuple d'Israël, que tout ce qu'on fait contre ta vie se transforme en bénédiction. Et je vais me lever encore plus loin, je vais avancer plus loin, je vais frapper la terre une fois, je vais frapper la terre deux fois, je vais frapper la terre trois fois, et je demande à la terre de m'ouvrir sa bouche maintenant et d'avaler tout sorcier et ses œuvres de sorcellerie. Je donne une seule porte à quelqu'un pour être sauvé, c'est sa repentance. Mabro, chekebro, kassanelapra. Si quelqu'un est en train de parler contre toi, quelqu'un, s'il prend sa langue pour parler contre toi, s'il utilise sa langue pour proférer contre toi, s'il utilise sa langue pour vouloir te tuer, eh, alléluia, ce que je vais annoncer, c'est que sa langue se tourne. Je fais tourner sa langue. Je ramène sa langue dans sa gorge. Je ramène sa langue dans sa gorge et qu'il avale sa langue et que sa langue l'étouffe en ce moment. Quiconque est en train de parler contre toi, que sa langue se tourne et qu'elle aille dans sa gorge et qu'il avale sa langue. Moro brokatara brakasato lo breke sendereke. Quelqu'un qui boit de l'eau, qui se lave avec l'eau, qui a goûté l'effet du soleil, qui a goûté l'effet de la lune et qui peut se laver et boire, qui est en train d'agir contre ta vie, que l'eau le frappe, que le soleil le tue, que la lune le foudroie. Mes bras sont dans la prière qu'on la pente le kama aussi. Je vais détacher maintenant toute personne qui est liée. Si tu étais lié par les pieds, je brise toute chaîne qui te liait. Si tu étais lié par la main, je brise toutes les chaînes qui te liaient. Là où tu te trouves, on a mis la main sèche dans ta main. On a mis la pauvreté dans ta main. On a mis l'échec dans ta main. On a mis le blocage dans ta main. Rien ne réussit dans ta vie. Tout ce que tu fais échoue. Tout ce que tu fais échoue. Mais dans le nom de Yeshua Mashiach, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux prophétiser sur ta vie maintenant le bonheur. Je te fais sortir par ce moyen, par cet échec, par ce blocage. Dis-moi seulement des amen. Dis-moi des amen. Dis-moi des alléluia. Tu es en train d'être libéré. Tu es en train d'être libéré par la puissance du Seigneur. Et je ne sais pas dans ta famille qui s'est proclamé sorcier. Quel est l'homme fort de ta famille? Quelle est la femme forte de ta famille? Qui est assis sur les étoiles? Qui est assis sur le bonheur? Qui est assis sur le mariage? Qui est assis sur la chance? Qui est assis sur l'élévation? Au nom de Jésus, je saisis le bâton de Moïse. Et maintenant, je frappe une fois son crâne. Je frappe deux fois son crâne. Je frappe trois fois son crâne. Et je divise maintenant là, cette vie afin que tu aies le passage de ton élévation. Que tous les murs qui sont sur ton chemin soient foudroyés. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tous les sacrifices qui sont faits contre toi, s'ils ont utilisé un mouton, que ça ne serve plus jamais à rien. S'ils ne mangent pas de la viande, ils utilisent un animal. Celui qui ne mange pas de la viande, qui a utilisé un animal, que maintenant, je vais changer de parole. Si la personne qui est en train de faire un sacrifice contre toi mange de la chair, il mange l'animal, que la viande de l'animal le foudroie, le tue, qu'il ait un cancer spirituel, qu'il ait une hémorroïde spirituelle, et qu'il soit étranglé par la viande de l'animal qui tue contre toi. Mero bro, sababao, shibabo, riamata tuku marabreko sekerege. Je vais secouer la terre. Je vais secouer la terre. Là où ils ont enterré ton bonheur. Là où ils ont enterré ta chance. Tu es né pour réussir, mais on ne veut pas que tu réussisses. Tu es né pour être grande. On ne veut pas que tu sois grande. Tu es né pour être milliardaire. On ne veut pas que tu sois milliardaire. Tu es né pour être multimilliardaire. Ils ont joué avec ta vie. Ils ont joué avec ton bonheur. Ils sont encore assis dessus. À chaque fois qu'il y a une bonne nouvelle dans ta vie, il y a une maladie qui vient te fatiguer. Je vais briser cette maladie. Je vais
lié cette maladie, l'esprit de maladie qui vient dans ta vie. À chaque fois que tu as une bonne nouvelle, il faut que tu dépenses pour les médicaments. Il faut que tu sois couché. Il faut que tu sois en train de souffrir. Je foudroie cet esprit. Je foudroie cet esprit par la puissance du nom de Jésus. Et molo bro ka sarabro koshe li komolo frima taraba severe remotolo bo sandele beke pereke Saint Esprit marabro ko sarabro le korobo bo bo koshi e kabayo koboyo kamar harabrashi le tubaya kasa. À chaque fois que tu as de l'argent, tu entends une mauvaise nouvelle. À chaque fois que tu as de l'argent, c'est la voiture qui a un problème. C'est un enfant qui a un problème. C'est des funérailles qu'on t'annonce. Ou bien toi-même, tu es malade. Ton argent ne sert à rien. Tu ne peux rien faire. Tu es toujours en train de tourner en rond. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je vais arrêter ce phénomène dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que les portes de la percée te soient ouvertes. Et ceux qui sont tes ennemis, de la manière que Balaam a béni Israël, que tes ennemis te bénissent maintenant, que tes ennemis cherchent à se réconcilier avec toi, que tes ennemis changent de cœur, que tes ennemis changent de pensée, que tes ennemis commencent à t'aimer. Je vais maintenant libérer l'onction de l'attraction dans ta vie, l'onction de l'attraction dans ta vie, l'onction de l'attraction dans ta vie. Je vais libérer Abraham, partout où il passait, la bénédiction l'accompagnait. Isaac, partout où il passait, la bénédiction l'accompagnait. Jacob était béni. Oh, Joseph était béni. Ils ont voulu détruire sa bénédiction, mais Joseph a été béni. Je prophétise sur toi la bénédiction. Je prophétise sur toi la bénédiction. Si on t'avait maudit, je retire cette malédiction. Je retire cette malédiction et je mets la bénédiction comme une couronne sur ta vie. Je mets la bénédiction comme une couronne sur ta vie. Je déclare aujourd'hui que les anges de la faveur sont avec toi. Je déclare aujourd'hui que les anges de l'élévation sont avec toi. Personne ne peut bousiller ta vie. Eh, alléluia. Rebokotolobo sakabaria. Il ne me faut rabâcher. Si quelqu'un croit qu'il a l'argent et qu'il est en train d'utiliser son argent pour faire des cérémonies, des sacrifices et des actions pour bloquer ta vie, que cette personne tombe dans la pauvreté, dans l'échec et la mort, que son argent devienne un poison dans sa maison. Si une personne est jalouse de toi et que cette personne-là se croit spirituelle, il est dans une loge. Deux fois, il parle contre toi spirituellement. Il fait des cérémonies contre toi. Il est quelque part. Et puis, il dit, il ne faut pas que tu résistes. Tu as une femme, mais il veut que ça se gâte entre toi et ta femme. Il est en train de faire des cérémonies, des incantations. Que ce soit sa vie qui soit détruite. S'il a une moto, que sa moto le foudroie. S'il a une voiture, que sa voiture le foudroie. S'il a une femme, que sa femme le déteste. S'il a des enfants, que ses enfants le détestent. S'il a une maison, que le feu tombe dans sa maison, que ceux qui venaient vers lui s'enfuient de lui, que son odeur soit comme l'odeur du poison de la mort, qu'il sente mauvais et que tout le monde s'écarte de lui. Mais Robrocosé, il est beau, Shibaba, oh, j'ai une notion, Makarabrakasa. Si quelqu'un est parti voir un féticheur, si quelqu'un est parti voir un marabout, si quelqu'un est parti voir un togbe, si quelqu'un est parti voir un mystique pour dire je vais tuer cette personne, je ne l'aime pas, je n'aime pas sa tête, je n'aime pas sa vie, que cela soit détruit au nom de Jésus. Si une femme te veut et que tu ne la veux pas et qu'elle est partie chez des mystiques, que tout ce qu'elle fait retourne contre elle et ses parents. Si un homme te veut et que tu ne le veux pas et qu'il allait faire des choses mystiques, que ça retourne contre lui et ses enfants dans sa famille. Rien personne de brica ma brocoto lobosika motika pando coro petite telete kamaya. Si tu as un ami, si tu as quelqu'un qui est là, il fait croire qu'il est ton ami, il fait croire qu'il est avec toi, mais au fond,
Il fait des choses contre toi. Il cherche à t'empoisonner. Il fait la sorcellerie. Il voit des marabouts. Il fait du fétichisme contre toi. Que ça retourne contre lui. Que ça retourne contre lui. Toute personne qui t'a détesté et qui a fait des choses contre toi, que cela retourne contre eux au nom de Jésus. Alléluia. Maya broke, Sanema la breaks. Il y a des gens qui disent que la puissance de Dieu n'existe pas. Ils comptent sur les fétiches pour te faire du mal. Ils comptent sur les pouvoirs mystiques pour te faire du mal. Ils comptent sur les incantations pour te faire du mal. Mais voici ce que je déclare. De la manière que lorsque l'enfant naît, l'enfant est couvert par les mains de sa mère, de la manière que la maman protège son enfant, même quand il y a un accident, elle protège son enfant, même quand il va avoir la mort, elle protège son enfant. Que de cette même manière, la main de Dieu te protège, soit sous la protection divine, soit sous la protection divine, soit sous la protection divine. Que quiconque cherche à t'atteindre à partir de cet instant, quiconque cherche à t'atteindre, soit foudroyé. J'appelle la bénédiction dans ta vie. J'appelle l'élévation dans ta vie. J'appelle la grâce dans ta vie. Sors de l'échec. Sors de la malédiction. Là où on t'a attaché, je vais te détacher. Là où on t'a lié, je vais te délier. Je prophétise aujourd'hui que le bonheur te reconnaisse. Je prophétise aujourd'hui que l'élévation te reconnaisse. Je prophétise aujourd'hui que l'argent te localise. Je prophétise aujourd'hui que l'excellence te localise. Si tu étais malade, là où tu m'entends, si tu étais malade, tu es couché, tu es malade. Si tu étais malade, avec le son de ma voix, si tu étais malade, au son de ma voix, que la guérison te touche maintenant. Tu es malade. On fait les examens. On ne voit pas où tu as mal. Tu es malade. Mais tu ne sais pas. On ne trouve pas. On fait les radios, l'échographie, tout ce qu'il faut. Mais on ne voit pas la maladie. Tu es en train de souffrir. Ou bien tu as une maladie là. Elle vient à chaque période. Tu as une maladie qui vient. La maladie vient quand il y a une bonne nouvelle. Tu as une femme. La maladie vient quand quelqu'un t'aime. Ou il veut aller te fiancer. Ou il t'envoie un peu d'argent pour pouvoir t'entretenir. La maladie vient quand tu as un projet et que tu es en train de que tu es en train de vouloir le réaliser. Maro broko sokoto lo basika taya. Lève-toi. Lève-toi de cette maladie. Lève-toi de cette maladie. Lève-toi de cette maladie maintenant. 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 Tu as une maladie. Depuis que tu es enfant, cette maladie te fatigue. Un mal de tête chronique. Un mal de ventre chronique. Quand ça vient, aucun médicament ne peut te soulager. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Je prends autorité contre cette œuvre de la sorcellerie qui fatigue ta vie. Esprit de sorcellerie, au son de ma voix, tu lâches cette personne maintenant. Mao, Maria Bassara Babro Sababashi. Il est vivant. Il est vivant. Pendant que je suis en train de prier, c'est un sorcier qui a vu que tu es en train d'être détaché.
et qui veut redoubler de force, qu'il meure cette nuit, qu'il meure cette nuit. Je suis venu tuer le sorcier de ta famille. Je suis venu tuer le sorcier de ton village. Je suis venu tuer le sorcier de ton quartier. Je suis venu tuer le sorcier de ta ville. Je suis venu tuer le sorcier de ton pays qui t'a localisé, qui veut agir contre toi. Au nom de Jésus. On s'en fout, ils vont les enterrer. Maya Topé, c'est un sorcier qui suit ce direct. S'il y a un sorcier qui suit ce direct, s'il y a des sorciers qui attaquent ma page, s'il y a des sorciers qui ne m'aiment pas et qui suit ce direct, je vous donne la repentance. Tu ne te repens pas, tu meurs. Je lance la flèche de la mort contre toi. Retour à l'envoyeur. Mayo, Mayo, quelqu'un essaie de m'appeler. Où est Suruka, Mayo? On m'a évité de m'envoyer des messages en disant coucou, bonsoir. Moi, le coucou, bonsoir, là, surtout quand il y a une femme et que tu m'envoies un message, tu dis coucou, je le prends mal. Ben, je ne suis pas ton camarade, je ne suis pas ton copain, je ne suis pas ton. Donc, coucou là. Si vous cherchez Marie sur les réseaux sociaux, moi, je n'en cherche pas. Voilà. Donc, le coucou là, évitez ça. Si tu veux que je prie pour toi, bonjour, homme de Dieu. Comment tu vas, homme de Dieu? Ou bien, il faut dire monsieur. Mais ne me dis pas coucou. Coucou là, c'est intime. Moi, je ne veux pas de ça. Marais, précoto, lobo, sintarabra. Tout esprit de séduction dans ta vie. Il y a des démons qui voient que tu te sens bien dans ton couple. Il y a des esprits qui voient que tu es bien avec ton mari, tu es bien avec ta femme, tu es bien avec tes enfants. Ils veulent briser ta destinée. Je les lis au nom de Jésus. Tous les sorciers qui sont contre ton mariage, les sorciers qui sont contre ton enfantement, les sorciers qui sont contre ton élévation, je brise leurs œuvres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ye cabro, parabro, cousindarabre. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un veut une bénédiction financière? Est-ce que quelqu'un veut une bénédiction financière? Est-ce que quelqu'un veut une bénédiction financière? Il ne faut pas avoir honte. Tu veux que Dieu te donne l'argent. Tu as besoin à ce moment d'un 20 000 euros, d'un 30 000 euros, d'un 40 000 euros. Tu as des crédits que tu veux payer pour passer à autre chose. Tu as besoin de 100 000 euros. Tu as besoin de 50 000 euros, 200 000 euros. Tu as besoin de quelque chose. Tu veux que Dieu crée un miracle, une atmosphère miraculeuse dans ta vie. Tu veux que ton compte bancaire soit étonné de ce que Dieu va faire. Au nom puissant de Jésus, tends ta main vers mon écran. Tends ta main vers mon écran. Tends ta main vers ton écran. Tends ta main vers ton écran. Tends ta main vers ton écran. Il est capro. Ça va être le dernier sujet de ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je veux condamner tout esprit de chèque de pauvreté. Maintenant, il est écrit dans la parole de Dieu, l'or et l'argent m'appartiennent. Dieu n'est pas contre l'argent. Hey! Il a rendu Abraham riche, il a rendu Isaac riche. Tous ceux qui l'ont suivi ont été riches. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu, c'est la richesse. David était hyper riche. Il a demandé à Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon dit, je veux la sagesse. Il dit, je vais te donner l'argent. Le démon qui te fait croire que l'argent est démoniaque est lié, il est vaincu. Le démon qui te fait croire que si tu pries pour l'argent, c'est que tu es en train de pécher, il est foudroyé. Le pasteur sorcier qui va te dire que quand tu pries pour l'argent, ce n'est pas bon, il est vaincu. Pourtant, il prend ta dîme et tes offrandes. Au nom de Jésus-Christ, nous levons les mains, Seigneur. Que les portes de l'élévation soient ouvertes. Ouvre maintenant là où se trouve le trésor et déverse sur tes enfants maintenant.
qu'il rende témoignage avant que cette année ne finisse, qu'il y ait des bonnes nouvelles. Ceux qui devraient payer leur crédit, qu'ils finissent de le payer et de l'argent. Quelqu'un veut acheter une maison, que cet argent lui soit accordé. Quelqu'un lui a refusé même un crédit pour un business ou pour quelque chose, que cela soit accordé. J'appelle l'onction de l'argent dans ce direct. J'appelle l'onction de l'argent dans ce direct. J'appelle l'onction de l'élévation. J'appelle l'onction de la prospérité. Dans l'onction se trouvent toutes ces choses. Jésus, nous sommes là. Oh, j'étais fatigué avant le direct, mais le Seigneur m'a renouvelé. Voilà ce que l'onction fait que j'aime. J'étais fatigué, mais le Seigneur m'a renouvelé. Allô? Allô? Shalom, papa. Shalom. C'est moi, Nadège Kra, tu as demandé à ce que je vous appelle. Ah, c'est toi qui as dit que c'était ton anniversaire. Oui, papa. Ok, tu es à la maison? Oui. D'accord. Toi, tu as mis le haut-parleur ou bien tu as attrapé le téléphone? Le téléphone. Tu peux mettre le haut-parleur ou bien il y a des gens à côté, tu veux être discret? Non, il n'y a personne, je mets. Mets le haut-parleur et puis tu ouvres tes deux mains. C'est bon? Oui, papa. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je lève la voix maintenant. Et pendant que je prie, que le ciel soit ouvert, qu'une onction particulière descende sur ta vie. Je proclame une huile fraîche sur ta vie. Je proclame l'élévation sur ta vie. Je prie que cette nouvelle année soit une année d'élévation, de bénédiction, de prospérité. Que tout ce que tu demandes au plus profond de ton cœur te soit accordé. Tu n'es pas une personne dans l'échec, mais tu peux aller plus loin. Hé, ça y est, ça a commencé, l'onction de révélation a commencé. Tu es né pour être béni, ma fille. C'est la première fois que tu m'appelles. Oui. Le Seigneur avait commencé à te bénir. Il avait commencé à t'élever. Dieu est en train de me montrer ton image. Quand tu étais une petite fille, je vois une jeune fille, une petite fille. Et puis la fille en train de se promener, les gens l'aiment. Je vois que les gens tendent la main. Maman, viens, tiens, on te donne. C'est que tu es né avec une chance, tu es né avec une grâce, tu es né avec une bénédiction. Si je mens, tu me dis que je mens. Oh. Tu mens pas. Tu es né avec cette étoile, cette bénédiction. Mais il y a eu des combats. Je suis en train de ressentir, de voir quelque chose. On dirait qu'il y a eu une grosse douleur à un certain moment dans ton cœur. J'ai l'impression que c'est la perte d'une personne qui te coûtait très cher. Oui. Oui. C'était qui? Mon père. Yes, I. Cette nouvelle t'a bouleversé. Ça t'avait beaucoup secoué. Morobrasaka. Parce que tu étais la chouchou. Et puis tu t'étais dit dans ton cœur que tu veux donner des preuves de ta réussite. Tu veux donner des preuves. Et pendant ce temps, tu n'avais pas encore la possibilité. C'est comme quelqu'un qui rêve à quelque chose qui n'a pas encore atteint son rêve. Et malheureusement, c'est arrivé. Morobrasikarabra. Mais le bonheur t'a toujours accompagné. Je suis en train de voir qu'on t'a souvent tendu des pièges. Tu as eu beaucoup de jalouses autour de toi. Vérité. Beaucoup de jalouses. Ils ont été jalouses de tes grâces. Même si vous êtes 3 filles, 4 filles, 5 filles, on ne sait même pas pourquoi. Si quelqu'un veut aimer quelqu'un, c'est toi qu'il va aimer. Tu as cette chance, tu as cette grâce, tu as cette bénédiction qui t'accompagne. Ce que tu veux là, tu l'obtiens. Ah, c'est ton jour aujourd'hui, vraiment. Dieu est en train de me marbrer.
Et aujourd'hui où on parle, tu n'es pas pauvre, tu n'es pas misérable, tu n'es pas malheureuse, mais tu es stagné. Parce que tu peux aller plus loin. Il y a des projets dans ton cœur, des projets d'entreprise. Oui. 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 Mais ça va se réaliser. Amen. Cette année, je prophétise que cette année soit l'année de ton décollage. Amen. Ma fille, je ne sais pas ce que tu fais dans la vie, mais je vais te dire une chose. Je suis en train de voir quelque chose. Si tu ne faisais pas ça, il faut mettre ça dans ton calendrier. Je suis en train de voir des produits cosmétiques. D'accord. Je suis en train de voir des produits cosmétiques. Je suis en train de voir comme genre une boutique, des boutiques ou une boutique. C'est pas que tu es en train de faire la coiffure, non. Mais il y a des produits. Et ce que je vois, j'ai l'impression que dans les salons de coiffure, là, on a pris tes produits. Dans les salons de massage, on a pris tes produits. Dans la parfumerie, on a pris tes produits. Et pendant que je vois les produits cosmétiques, je vois quelques objets design, comme des cravates fantasy, des nœuds fantasy, des trucs comme ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu me montre ce genre de choses, mais il est en train de me dire que si ce domaine-là, tu mets ta main dedans, là, ça va marcher. Amen. T'as déjà pensé à ça? Jamais? Non. Ça fait partie de toi. Et il faut savoir que dans la vie, on peut faire plusieurs choses. Oui. C'est pas parce que tu fais quelque chose que tu ne peux pas faire autre chose. Et ça, il faut penser à ça. Tu peux même créer ta propre marque. C'est ce que je t'ai dit là. Commence à réfléchir à ça aujourd'hui. Ça, ça va. Oui. Tu peux créer ta propre marque. D'accord. Oui. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Amen. Que le Seigneur console ton cœur. Amen. Que là où, comme il y avait déjà ton nom écrit sur le direct, et puis tu m'as appelé, il y a des révélations que je reçois, je ne vais pas dans ce sens parce que tout le monde sait à peu près qui m'a appelé. Donc, par sagesse, il y a des choses que je ne vais pas sortir de ma bouche. Je prie que le Seigneur stabilise toute ta vie. Je prie que le Seigneur te rétablisse en toutes choses et qu'il console ton cœur, que les projets de ton cœur se réalisent dans le nom puissant de Jésus. Fais tout, ma fille, fais tout pour contacter ma secrétaire. Prends un rendez-vous. Et puis, je vais prier pour toi, je vais t'orienter sur certaines choses. Voilà. Si tu n'as pas, amen, amen. Je vais t'envoyer son numéro. Si tu ne l'as pas, je vais écrire. Après le direct, je vais t'écrire ça. Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Sois béni. Amen. Bien aimé, je vais prier pour vous pour arrêter le direct parce que demain, je me déplace. Et je vais pour un moment de prière très fort pour quelqu'un. Et quand c'est comme ça, il faut se préparer à la prière, comme si tu es fatigué. Voilà, je vais me reposer parce que c'est vraiment une longue distance, aller, revenir. Donc, on va arrêter le direct de ce soir par la prière. Ceux qui veulent une orientation, une prière, qui veulent vraiment quelque chose, vous contactez le secrétariat. Je vais vous écrire ici le numéro du secrétariat. Je vais écrire le numéro du secrétariat, mais appelez sur WhatsApp. Appelez sur WhatsApp, c'est très important. Voilà, c'est sur WhatsApp. Je vous reçois téléphoniquement, au téléphone. Voilà, je ne sais pas si je peux l'épingler. Donc, quelqu'un peut me l'écrire aussi, le numéro du secrétariat. Je ne sais pas si je peux écrire ici, si ça ne va pas mélanger mon direct. Je vais essayer. Voilà. Ouais. 06 24 08. Ouais.
56 89 89. Voilà, secrétariat. Secrétaire 06 24 05. Voilà, je l'ai écrit là. Je vais l'épingler si c'est possible. Épingler. Voilà, le numéro de secrétariat est écrit. Alors, maintenant, je vais prier pour terminer ce direct. Père, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as accordé à tes enfants comme grâce et bénédiction. Que l'onction demeure en nous, que l'onction nous scelle toutes les bénédictions que nous avons prises. Je prie que cette nuit, le camp des ténèbres soit foudroyé. Le camp des sorciers et des mystiques soit foudroyé. Seigneur, continue à délivrer tes enfants. Accorde de la bénédiction financière, accorde de la bénédiction, l'élévation, la protection divine. Et que Père Céleste, ton seul nom soit glorifié dans le puissant et le précieux nom de Jésus. Amen. Allez-y dans la paix, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous êtes bénis. Donc voilà, notre direct prend fin ce soir. N'hésitez pas de prendre rendez-vous avec la secrétaire. N'hésitez surtout pas aussi de visiter mon site www.myriadefrance, je vais l'écrire, myriadefrance.net. Alors, sur le site, vous avez une boutique. Et cette boutique-là, vous avez des savons, des parfums, vous avez de l'huile d'onction, vous avez beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Il y a pour le déblocage, la protection, tout ça, voilà, sur le site. Donc, je viens de l'écrire là en commentaire. N'hésitez pas d'aller sur le site. Voilà. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse. Je vais encore écrire pour le site. Voilà. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée. Merci d'avoir été là. Je vais vous donner un psaume. Il y a déjà certains qui sont déjà partis. C'est dommage. Je vous recommande, après ce direct, de prier trois fois avec le psaume 53 avant de dormir. Trois fois le psaume 53. Trois fois le psaume 53. Trois fois le psaume 53. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Passez une bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Shalom.